nga kere gine gamé di mer fori mali kamara na ra soso manga yi gesege no ha avoka mo fama de ya kere ma sende ya kosi la gine ka transition ma mo barato a la suspension de parti de nana et na observation qui Nyatiri Mamadi Doumbouya, la Guinée, si Kereng Bimara. Mamadi Doumbouya, il n'a rien tiré à Bafé, Borila. Il m'a rabafé, Borg Betterada, Bafé, la Guinée, il n'a rien roi. Chasse minéri Bedenre. Être un président de transition en Guinée, la Guinée qu'on a créée, la Guinée. Il en a rien été couiki. Abéouya, Abéoulé. Wo, Boré, Mato. Il fonctionne, Makina. Argument, Yomou Falama, Moube. Wona, Narankoui. C'est d'éliminer les autres. Alors, c'est quoi, n'a rien à pas, alpha fekoui, à mouyer la maille biassi. Il y a un membre, il y a un imangasou. Et cette fois-ci, d'ailleurs, Rimi Kata, m'a fala, mi tu propres, et t'en as fini ma la Guinée, t'en fera, sabra. Parce que, Araba fait d'enra societara et moyon ou son offena na son offemira. Ibara socie ba gestion guinéen qui. Ibara socie ba gestion nan na ba mi royat a qui. Et dundoui. Ouai ramire humiliema. Ouai radi utilisema contre leurs propres ses parents. Mouatoui. Et ma. A Dougoulana Namotana, mon frère Ibias, ou mon ribette d'orma mouman, ramouan ma y désastre modèle ifama. Allo nana bal faratan, il y a un copranaki. Ibiasi, élection nanabama, parti yomubama, itayat na observation qui est illégale dans ce pays. Toi tu es là à évaluer les autres, et tu rime évaluer. Et quand il y aura un groupe, vous êtes illégal dans ce pays. Nous n'avons rien à comprendre. Ça, c'est un Walinaï qui n'a pas un rabama qui est illégal, que les Guinéens ont voté pour la personne. Ce n'est pas toi et Tamara. C'est pourquoi moi, je suis souvent ici. Avant d'agir, d'abord, il faut un homme d'État. Qu'est-ce qu'on appelle un État? Parce que c'est Bébé Nangrigara, Irak Colon, Arabama Kina. Il ne s'agit pas d'agir parce que vous avez des armes. Non, ce n'est pas comme ça. Et cette fois-ci, je vais te dire, les Guinéens auraient utilisé comme des sauvages. Au parti, n'aurait favorisé fait, mais favorisé ma. Ils seront jugés et condamnés dans ce pays. Ils n'auraient été protégés fait, ils seront jugés et condamnés dans ce pays. Croyez-moi. Et tu seras jugé ou condamné dans ce pays. Et tant. Regardez ces bêtises comme ça là. A 54 partis politiques suspendus pour 3 mois, dont l'IFD de Badiko, le PDG RDA d'Oye, le PIP, ancien parti au pouvoir de Fode Bangoura, NGR d'Abessila et Génération Citoyenne Fode Mohamed Souma. Regardez. D'abord, je ne parle pas d'Abessila. Lui, il faut y entrer dans la qui. C'est un faux type. Mais en ce qui concerne Fode Mohamed Souma, Nare, ce c'est Nare, il n'a pas fait ma belle non dit. Il y a un bourru, quoi, un homme, un goulinama. Fode Mohamed Souma, génération citoyenne, a raïsoire maori. Il n'a pas histoire comprendre. Et fidèle au Nara.
qu'à partir de la marée existait en Guinée, c'est lui. Grâce à son père, que ce Couturé, vous, la haute Guinée parle de ce Couturé aujourd'hui. À son père! Omar Colon, Moubara Lamakhan, c'est Iborita ou Mala en arabe, où est le problème? Ou bien, Mouta Moufefaï Colon, vous faites quoi dans ce pays? On a sera pas fait Iborima. 60, combien d'années? Mangal Ranfa, et soit quoi, on a Canada, pour ne pas être jugé. Ça suffit, mon frère, la Guinée qui barra tout, à la Guinée, précisément la communauté Soussou. Parce que Moutanan, Fidiri, c'est Betera. Moutanan n'a souma Mouboroma. Hier, Yati, un certain colonel Issiaga Souma, inspecteur de police à Koléa là-bas, on le confie un problème de passeport. Il cherche à se montrer qu'il est colonel et avec qui? À son frère. Et comme il soit, il a un passeport Tongo, Fara y est ma sing, à colonel Natana. Mais tu n'es mis ta main, le roi n'a pas été là. Il y a la force, il y a un passeport ton fait qu'on puisse envoyer la dame pour, son, pour ses soins médicaux. Ce dernier est là. Ah, je suis colonel. Et puis je suis cela. Quand la roue y a une reine, il y a un dégradé. En deux, il y a un sénat, ton gars, ça s'aguille. Ceci dit, il y a un roue, il y a un sirou. Il y a un petit démoment. C'est pourquoi on vous a toujours exploité, utilisé contre n'importe quoi. Parce que vous êtes d'acquis colon, vous êtes colon, vous êtes défendu colon. Il a été ma passeport. Mamadi est là à donner les passeports de ce diplomatique à n'importe qui. Toi qui est là, il était ma sema avec un frère pour un passeport ordinaire, pour une vieille. Pas encore un soir de manfa et tamato. Ça veut dire, n'a rien sur ces faits, je ne comprends pas. Un certain fucking stupide Issiaga Souma. Qu'il est colonel. Comment tu as eu ça? Toi, tu es colonel. Tu as mis la baigne, colonel Mira. Et puis, autant le mot farama. Autant. Nana, on me s'y a ma dede, ou le nyoma, katakui. Autant saucé. Je m'excuse du terme parce qu'à fin, il est. C'est décevant de vos rapports. C'est pourquoi un caporal vient, il vous utilise. Il faut dire à Mamadi que ce qu'il est en train de faire dans ce pays, c'est anormal. Haniri, il a finca de Tonga Tibarbour et la côte d'un seul passeport. Mamadi. A colonel ici à Gassouma. Au Farabara Mekine. Quand on est ministre, c'est pas contre tes parents. Quand on est officier, pas pour réduire tes parents. C'est de les protéger contre la force du mal. C'est ce que les autres font, hein. Seulement vous, les soussous, n'a tous la franfranna. Fièvre typhoïque, ma langue a faté cui. Incapable même de veiller sur ça, s'attaque à ses parents. C'est des ordures, hein. C'est malheureux et puis des grades affrétés comme ça. Pas de compétences, rien. Pour les passeports, soyez ma couenne riba matina. Une colombe en arambe la rai. Tamigra ben rina y sara kane. Pourquoi vous faites ça? C'est malheureux. Nana tori et wama farama. Parce que vous singez la moufari. Donc, mon femme, il faut des abas femmes, maintenant, il y a quoi? Qui est-ce qu'il y a un frère?
Mamadi, khale emwa amusama december fari. Emwa amusama december fari. Si vous voulez, allez-y. Commencez bien maintenant à négocier auprès de l'ONU, de l'OIA ou de la CDAO. Au Taranakolo, 3 ans. 3 ans. On a mamaya détournement na bafi. 3 ans. Voilà qui n'a qu'un moyen on a cela. Voilà qui n'a pas tout bas. Kamen rana, fure rana. On a un créé la fée. 0. 3 ans. Kali. Ça veut dire, avec combien de personnes au niveau de la du CNT là-bas? Il y en a, il y a un juriste, il y a un journaliste, il y a un agnatiri. On a ce son, oui. On a fini la Guinée à protection, on a fini la Guinée à constitution, avant projet. Dites-nous, oui, le vieux, dites-nous, Eric Cham, dites-nous, durant 3 ans, vous avez fait quoi concrètement pour ce pays-là? Arrêtez, il faut arrêter. On est fatigué de vous. Parce qu'à chaque fois qu'on a une transition, c'est les mêmes personnes qu'on recrute pour encore faire du mal. On a un quick. Cette fois-ci-là, la transition de Mamadi, la transition de Matanama, et puis, on a un yéti la Guinée, dit ma femme, vous allez tous partir comme ça. Et vous jugez, et vous condamnez, non, Fafi. Autant et rembourser tout ce que vous avez eu là-bas. Parce que c'est l'argent contribuable. 1 500 $ par mois, multiplié par 36 mois, par personne, sans compter les primes. Ça, c'est de l'argent. Non, moi, maternité, c'est ça. On est là, on est là, on est là. Elle m'a dit 3 ans de transition à la barre et à la moine. Mais là, un an. Ça suffit. Vaut mieux de préparer et faire qui n'a rien à la Guinée. La Guinée, mon femme, son après le mois de décembre. Nous t'en avons fait la ribe. Et t'as mouloum à la Guinée. Mon moi, mais on fait où? Ibara, nien. Mireille, n'a y bori, mais mon homme, aventure là. Ils sont en exil aujourd'hui, malgré eux. Et là, il y a le roi. Quand il y a le roi, ou bien il y a un frère, il y a un frère, il y a un frère. Il y a un remboursé ou paiement plein dans Nabama. Ça, ça existe comme ça, partout. Il y a un frère qui a fait gueule maintenant. Il mérite un frère, ça, ça gueule. Il y a un frère maintenant. Avant de trier mon frère, il y a un fils qui tombe. Dès que nous avons fait le travail, nous avons fait le travail. C'est ça la solution. Quand nous avons fait le travail, nous avons fait le travail. C'est ce qu'il fallait donner. Nous avons fait le travail. La basse-côte sera gérée par les basse-côtiers. C'est ça la solution. Parce que nous avons fait la pauvreté. Nous avons fait la houléma. Quand une journée, nous avons fait le travail. Nous avons fait le travail. Osiga, négocier, hawama, allez-y faire quoi, n'engage que vous. Moutang Befe, le 31 décembre, d'assez. Moi, je suis en train de faire un cabrin. 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 Je Moumouamoura, 6 seconds seulement, à Bilou Goulénara. Vous êtes là, voilà, mais nous avons favorisé fait. On va pouvoir soigner là, parce qu'à 30 ans, vous protéger. Là, ça n'a qu'à Témou, finement, en guerre à la Guinée. Ousmane Kabam, finimara, Koumouram, finimara, ni vous. Voilà. Il y a élection à Rabamane. Là, nous avons soigné. Pour libérer une fois ce pays, une bonne fois la Guinée. Hanamara. On fédéralisme mawar terminé na nu na la mané le borra il garde ma ça il bêtise modèle mat
à 67 partis sous observation pour 3 mois. Mais tu es illégal. Tu es illégal. Il n'a sous observation là. Qui n'a que mouira. Tu es illégal. Afala Moube. Un président d'une transition à prérogatif et dit n'a dit. Alors Marasira ou Harada Minde Imakolo. Pourquoi te garder là-bas? Oui, mais Minira Falamoube, il a envoyé nous au Maïnana. Il a armé ma Masara. Les Guinées sont en train de souffrir quotidiennement. Et tu as cette. Il bourri Kana Manikana. Bilisika Maroui. Nanana, non, dira. Payer à Manasara. Ou bien les autres ont peur de toi. Les soussous, les peurs, les malinqués ou qui sont là ne disent rien parce que Nana Falawafara. Tu penses qu'ils ont peur de toi? Tu penses qu'ils ont peur de toi? Non. Maintenant, nous avons fait ce cadre, ben, résultat de l'air. Mais là, ça n'a pas été autre leçon avec vous. C'est né nana, la Guinée qu'on a fait pendant combien d'années? Et maintenant, il fut un moment, on a mis Boreyama, on a fait une blogueur. Parce que le programme est politique, là, mais il y a un argument solide pour convaincre les Guinéens. En Ankolo, d'aller organiser les Mamaya, basé en Bilibele Dorama, enfin Guinée, nous ferons un baga Guinée, ou mais sur ce Guinée, nous ferons un jeton de Choyira. Ça, c'est fini ça. Ça, c'est fini ça. Tant que je suis dans la Guinée, mon femme, je fais ma kiti. Mamadi, quand il m'a essayé, la Guinée, quand il m'a pris un prêt, il m'a dit, est-ce que vous avez dit, il m'a 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 dit, il des bêtises comme ça, là, sous contrôle. Quel contrôle? Sous observation. Amérique, Mara, partie, la Mara. Amérique, Mara, elle est légitimement, légalement. Nana, femme, maman, tout ça, maintenant, pour apaiser la tension ou créer la stabilité dans notre pays. Nana, maman, avec les techniciens, les compétents, pour réduire le nombre de partis en Guinée. Alors que la Guinée Cabrin va finir de faire créer la main, c'est pas avec toi, avec vous. Au phare qui n'est illégalement, comme la Mora Mora, institution Yo, fait Sende, ou la Mora Mora, ou la Mora Mora Mora, Wallahi, Imusigama, Kaikenen, sa Corée du Nord, ton Gréfa dans la Guinée. Il y a la femme en la Guinée, mais l'homme de femme en train de faire la rébelle. C'est ce manque d'un oui. Maintenant, mon nom de la femme a bien ou à la badoué, ou si a fait mindé. Ou la Guinée sou, ou y a ba mérira. Le faya mille mono. Na tanyan, na yay sou, mribrimbe. Parce que l'an 2011, à New York City avec Abe. Il y a un faux et un cuit. Il y a un New York City. Un résultat, il y a. Quand il y a, on a fait la main, on a fait la main, vous avez des millions de dollars, quand il y a, mon monsieur, c'est tout. Abe, oui, quand il y a, au carba, carba fait, mais ce qui n'est pas, c'est un amant fort à Conakry. Oui. Pourquoi qu'on a crié? Abe, bah, t'es conditionné, t'en es, t'en es, normal, t'es sauté, il est bri. Mais pourquoi qu'on a crié? T'es moutoma, il est bête, c'est un cap vert, mon luna. C'est gars, il est bri, parce que les États-Unis sont partout.
Sigamani fa isa kesone imuluna abisila muna tore na itu kwota sosedi nala uta tu savan trier muna me i do ma tel yela manetela mamar wota na kele uta uli saranye mfa fe wo forama parce que mbar sande to kulungulena réunion tonima quartier qui makluk réunion yara molim tureina faram faraina onu kirdi bangura parce que le malheur de ce pays c'est kirdi bangura mais nga fekerem falo be kibiasi o fama comprendre na allo monsieur bangura oui mon frère arba digo oui, ça va. Bah, je te t'avais promis là. Voilà, ma déjà ma émission m'a follow. Mais bon, nous faisons fait ton dénénak ya tout de suite. Alors, quoi? Pas de nerf dans 10 minutes, elle m'a pas le sourire. Bon. Voilà. Le nerf, elle a dit, mon sourire. Voilà. Il va ma continuité maintenant. Vous êtes. Maintenant, ma bureau en Haïti, quoi. Bon. C'est au cabinet, bon. Ah ouais. Un peu. Et à Colon, Mbala. Ah, Jacques Lewa officiel, les résultats d'évaluation des partis politiques, Macron, il va menacer Falafé. Mais. N'a pas fallu maintenant, parce que il n'a pas encore, il n'a pas encore. Mamadina Lamara na wali fola ou bien tant rawali na nasira tant avec tradi en tant qu'un président de transition atala Lamara ba parce que lui-même il est égal et illégal avec ses membres Lamara nasira ba ina se fala mala gina kebe ou ici gafé na ramaik la gina ma da ou kinara ou bien il m'a na fait bête en kui. Alors, il y a l'an 2010, je ne sais pas, l'an 2015. Hein? Mon frère. On a la conséquence, c'est l'an quick. Mon frère. Non. Alors, il m'a dit, on a un abat fait la guerre de la Rimadi. Alors, mamina. On a un abat fait bon hiver à la Rimadi. Et, non seulement, vous êtes ma Sindé. Et, je vais présenter les condoléances à la famille Conté. Parce que, on a. On tenait, elle ne peut pas compter à la Guinée, maman, Souma, Adja, maman Souma, Valagra. Alors il y a pas mal. Alors maman. Et là, Dunia Tou, Dunia Anlaron Dinara. Oui. Du Borimi. On va le rouler des films, des murs, on verra, on verra, on verra. Du Borimi a été estomac tant que mon pyramide m'a renversé. Manité n'a rien moni et connu les Kela. Mon pas et coba les Kela. Rumbe fait rumbe dans la bamba, mais rouge fait rouge dans la bamba. On a rambé les couilles, on a fait total qu'en un puits. On a voulu un puits. Parce que tout le monde a un puits au marounet. C'est des. Et on a fait tout le monde. Pour certains cas. Et la loi sur les partis politiques est très claire. Vous savez, dans ce pays, la programmation de l'arrivée de PDG était préparée. Si vous avez souvenance, c'est que Sidiki Kobole Keta qui avait présenté un rapport à Alpha Condé Ratan. Alpha Condé, quand il était affaibli pour le troisième mandat, le PDG a ressurgi. Et l'un des tenants du PDG, c'était celui qui Kobole Keta. C'est mon parent de Koya. Mais il faut se dire la vérité. Il y a Falabir Makolo. Ma famille est liée à la famille Kobole. Je le sais. J'ai des neveux qui sont Kobole. Et leur mère est Kobole. Mes neveux. Alors, Massa Kobole. Il a. Al-Mami Sobe. Pardon. Al-Mala. Le dernier Al-Rabi de Koya. Le grand frère de mon père, Al-Mourlaï, et Amagou, a donné
nana hada marka ko bolira na divi marabe bisri ala ya kama kala mamena bo enki tamu ku yaba tali mago na fara pine parce que tanga ko de bo interesse de nare mais on a même pas là les tenants de PDG c'était les Congolais. Son père était de BAG et lui il était de PDG. C'est que ça me a coupé, tout le monde le sait. Voilà, c'était un bibliothécaire, archiviste en France, historien en Guinée. Voilà. Et tout ce qu'ils ont fait avec le PDG, nous connaissons tout ça. Il est resté à la cité ministérielle. Et avec son ami Sako, et l'ancien comte, il l'a nommé comme directeur du cabinet civil à la présidence. Deux et trois février, ça lui a trouvé là-bas. Ce qui s'est passé, tout le monde le sait. Je vous ai dit que c'est le PDG qui a donné le pouvoir au RPG. Et c'est le RPG, c'est le PDG qui a détruit le RPG. Il a infiltré et il a fait que Akka n'a jamais aidé proprement les vrais militants du RPG. Donc commencez avec lui. Et dans les parents, on risque de faire. Parce que c'est le PDG qui colonise aussi dans le PUP. Même pas mon ami Makoa. Vous savez, le pays là, il faut être un bon observateur pour savoir il y a la faute de faire dans la rue de Ira. Ça ne peut plus marcher. Ils n'ont pas beaucoup de dégâts dans ce pays. Et je vais revenir sur les causes, et je vais revenir sur certains sujets tout à l'heure, concernant l'indépendance. Comme tu m'as demandé tout à l'heure, bon, je vais revenir sur ça. Alors, c'est le doyen Sidi Kobolé qui a fait un rapport. Et ce rapport-là, Gao le sait, c'est pour que là, ça doit ça combat. Mais comme ils oublient, quand ils comme il peut rare, il n'y a pas les choses, ils vont comprendre, c'est le PDG qui va le cuire à Makata. Maman, comme il a dit de mettre les droits de l'homme entre parenthèses, son père était de PDG, à Thomas. Le parti de Senou était infiltré par les gens de PDG. Le PUP était infiltré par le PDG. Et on disait même que, selon le doyen Sopare, que son âme repose en paix, que le PDG, que le PUP, c'est le PDG plus le libéralisme. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Ça veut dire que c'est les éléments du PDG qui sont convertis en libéralisme. Mais attendez, ça c'est quoi ça? Il l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit, mais comme l'a dit, il l'a dit, il a dit, je prends la ville là où c'est que tu l'as laissé. Maintenant, il nous a laissé là où c'est que tu nous as laissé. Bien sûr. Ouais. Maintenant, la dictature pure et simple. On a mouché plus. Le rapport de là-bas, le rapport là, on a accusé l'opposition d'alors, l'opposition même, que c'est l'opposition qui envoie des armes en Guinée pour essayer de faire quoi. Mais ils ont changé tout le monde. C'est pourquoi ils ont arrêté Gawan. Ils ont tenu, ils ont adressé comme moi, ils ont retourné à la maison centrale. Mais la prochaine fois, ils vont payer la facture. Vous savez, quand tu prépares un dictateur, il te laisse, il cherche à ce que ça va d'abord ton point faible. Si c'est une femme, on prépare la femme avec l'argent et la dîme. Si tu n'aimes que l'argent, on te donne l'argent et on te laisse couler. Quand tu vas finir d'abuser, hein, et de te faire détester par tout le monde avec ton arrogance, maintenant on te prend pour que souvent un alibis, il n'est pas humble. L'humilité n'a d'ailleurs mon ayama. Voilà. Mon ayara wasu, allez me dire le papier qui est le nouveau risque de Conakry. Amoram Bey, son arrogant, ils veulent se faire passer comme quoi. Il dérange tout le monde, il dérange même la quiétude dans la cité. Personne ne peut dormir. Et pourtant, un milliard d'Amérique, il a bien ma colombe. En tout cas, le roman qui est en amour de Mantofi. Maintenant, Ramanto, toi, que le mariage, Mantona. Voilà. Mais, à ma rue, la Kellerie, à Mouskabadeo, à la rapport de Mbakébé, il est dans un rabosé de campagne, c'est plus de 12, 15, et 15 états. Là, c'est un peu fort, mais à Oumou Kellerie, à Mouskabadeo, il est dans l'humilité, parce qu'il a éduqué rien. Même Rinaran, sa mort a été ma. Il fait Tongo, il fait Tongera, puis il dit Rira. Mais mon nom, c'est pour qu'on m'aille tenir. Moni est connu le Kela, Moba est connu le Kela. Il n'en parle pas du Puyam Bakolo Mama. Mais il n'a rien de signe de Tora Kunati à Kosuana Fakotabe,
ma sophie de la bac et à tout monnaie à celle de la bama il est dit alors il vaut l'angle femme à la web et puis légiste là quand tu as fait Cuba il va pas la dîner pas tout femme avec les meilleurs pas de sangar et rogne mais il vous m'a eu mouton garanté mais voici que c'est la vie ça Prado c'est quoi Prado c'est quoi Prado on a acheté ça pour nous et on a acheté des peuples on a acheté des choses mais c'est quoi tout ça dans un pays de misère comme la Guinée, à quoi ça va servir? Être heureux tout seul ou tu ne peux même pas te faire soigner. Il y a des gens qui te disent riches, mais ils sont morts à Sol, à Duncan, dans la poubelle là. Alors, c'est ça, être riche dans ton pays, c'est le PDG et à travers ce qui est là, que son âme repose en paix, c'est eux qui ont rédigé ce mémorandum. 2 ou 3 février sont eux qui ont aussi trahi dans sa raconte. Et ils faisaient des lettres anonymes. Fendi Nana, ma parole, on a attaqué. On a attaqué parce qu'on a parlé avec les gens. On a regardé Corée, Pénaré Dangui. Voilà. Il y a eu une affaire. Avec Mas Mourat et autres, la raconte est survécue. Pas mon aidé. On a mouru Mara. Moussa Mouligré Nama. Pas par l'ouvert. Alors, ils ont fait tout ça. Le rapport, on a continué. Mamadi a dit qu'il est venu pour faire le sale boulot. Mais il a été fait avec nous. Quoi, il a été tout même. Le sale boulot, il a été fait pour qui? Et il va payer. Il a dit qu'il ira seul à la Cour pénale internationale. Il a dit. Et il faut prendre les comptes quand il te dit. Parce que Manika Nere a raté de Nara. Ce général, Manika, ça va faire le frère Midéna. Oui. Aïe, en avant, il fallait bien. On a passé, et tout le matin. Ce qui est pas dans la rampe, on a dit, et tout le matin. On a un rampe, je m'en ai oublié. On a dit, pas la rampe, mais on a dit, on a un rampe, on a dit, on a un rampe, on a dit, 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 on a mis ce plutôt, on a PDG recul. Depuis 56 ans, on a parlé, mais on a PDG que le maire. On a dit, pour le sommeil, il a créé quelqu'un, mais on a dit, on a dit, on a tout signé, on a dit, attends, on dit, on a tout signé. Il faut un autre 3 avril ici, dans ce pays-là. Même pas Mme Yakoutia. On a moussé plutôt. D'abord, c'est les partis politiques qui ont fait que Mamadi a eu une légitimité par parti politique de Mouré Lamini. Est-ce que Itane Moussa parle de nous? Personne. Et la partie politique de nous, chaque a fait parler de nous, chaque Mourabama. Mais là où on a divorcé, tout le monde n'a pas tu as écouté, Yati. Alors Mamadi n'avait pas besoin de la charte pour gouverner la Guinée. Il avait besoin des ordonnances. Ça veut dire que c'est un homme d'un autre siècle. Oui, dans la valeur. Parce qu'à nous, c'est colo. Toi, tu peux dire, 21e siècle, tu peux prendre, faire un. Tu prends le pouvoir. Il n'y a pas de constitution parce que c'est Alpha qui a saboté tout ça. Avec les mêmes hommes qui sont avec Mamadi. Et Mamadi même faisait partie de ça. Mais comme sa tête était menacée, il était obligé. Il n'était pas venu pour libérer la Guinée. Il était venu pour se faire libérer lui-même et son clan. En se servant des forces spéciales. Voilà la vérité. Et à la fin de la guerre, Cuba, à la fin de la soupe. Et les Cuba qui étaient en Belgique, qui ne gagnaient plus rien, voilà, à la fin de la soupe. Voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui, et maintenant, sur mon débat. Parce que mon débat, c'est devenu l'affaire des Chinois. Pas mon amour à Kosia. Aujourd'hui, 80%. De la production chinoise au Mamin là. Où on va lui parler de ce pays là? Où est la Kamé? Où tout est self-fidé? Où est-ce que ça se chinois là? Et pendant que l'industrie est développée, ça c'est quelle punition de Dieu ça? Vous imaginez un peu? Un ouvrier, il est payé à 600 000, 800 000 ou bien 1 million à Bofa, dans Bofa. Non, vous ne savez pas, moi, de 30 millions. C'est de la misère totale, misère noire. Et sans protection de l'environnement, ainsi de suite. À Kriya, l'ouvrier était logé. Il avait tout dans la cité. À Kamsa, ainsi de suite. Même au temps colonial, les ouvriers étaient bien traités qu'aujourd'hui. L'indépendance a servi à quoi? Rien. Il a vu des franges de maître. Hein? Et après les Français, maintenant on nous impose des Chinois. Mais il fallait au moins prendre les Américains, ou bien les Canadiens, ou bien les Japonais. N'importe quoi. Les Chinois qui font même Magana aujourd'hui en Guinée. Après, c'est la propagande.
Mon frère, le régime, le PDG, c'est un BBI. Et tout le monde rapporteur là-bas, il se rassure couramment, il n'a pas ainsi de suite, parce que prépare l'avènement d'un gouvernement de PDG, 100% PDG. Voilà, avec les héritiers de PDG. Mais moi-même, chacun va montrer sa couleur. Alors, que les partis politiques qui ont légitimé la prise du pouvoir. Et quand les partis politiques ont donné, on dit oui, nous sommes d'accord avec votre déclaration, les forces spéciales ont décidé de prendre et le pays en charge, nous vous accompagnerons. Voilà, si vous respectez ce que vous avez dit. Nous allons formaliser ça avec la charte. Et la charte a été rédigée. Et cette charte, d'abord, chaque parti a fait des propositions, il nous a imposé une charte. Mais est-ce que lui-même, qui a prêté serment, l'article 46, 47, est-ce qu'il a respecté ça? Non. Par rapport à la loi sur la corruption, est-ce qu'il a respecté tout ça? Mais attendez, il est illégitime à partir du moment que c'est détaché de la charte. Il devrait être destitué aujourd'hui si on avait une Cour suprême qui est compétente, dont les magistrats courageux, on devrait le destituer et jamais aller exécuter ça. Mais on ne peut pas le faire parce que c'est des braqueurs. Voilà le problème de ce pays. Pour avoir des exécutions fortes. Ce n'est pas les hommes forts. Les hommes forts, c'est pour le moment, c'est pour un temps. Alpha est aujourd'hui en exil, pas aussi en exil, moi aussi je suis en exil. Après, il y a le problème. Mais qui souffre? Mais c'est lui. Parce que celui qui n'était pas préparé pour l'exil. Parce qu'après d'avoir traversé combien d'années pour l'exil, il s'est mis encore dans d'autres exils. Parce que propre homme l'a fabriqué. Vous avez entendu la dernière fois un de nos frères, je ne veux pas le citer ici. Il a dit que les 80% des forces spéciales sont composées des ressortissants de la Haute-Guinée. Oui. Mais écoute-moi très bien. Vous savez, le problème est qu'il a raison, il dit la vérité. Et je le répète pour ça. Pour sa sincérité, il n'a pas dit forêt, il n'a pas dit, moi, Guinée n'a pas dit basse Guinée. Ça, c'est l'armée, ça. Dadis a dit, l'armée de Sanaa, c'est où? Alain Foucault a dit, quelqu'un qui est né en basse-côte, grandit en basse-côte, et après, quand tu as le pouvoir, tu dis que tu es de la haute Guinée. Oui. Il dit que c'est de côté le pur et simple. Oui. C'est le cas de ce que m'a connu. Voilà le problème. Maman m'a dit, je n'en veux pas, il a grandi à Cancan. Enfin, vous reconnaissez, mais l'autre, il a grandi où? Voilà le problème aujourd'hui. Nous avons été trahis par les gens que nous avons donné de l'aide. Oui. Mais il faut dire à Tsekouba de repousser très bien. Quand son père est décédé, il était presque dans la rue avec sa famille. C'est quelqu'un là. C'est pas un malinqué qu'il a. Il a c'est un système qu'il a pris. Oui. Alors, ça roule. Il va protéger. Ah, c'est une chataïra. Moi, pas tout, je sors rien. Mais il n'a qu'à parler. Ah, là, bimbe. Mais l'on de Kuyébama, il va m'attendre. Dieu n'aime pas le CAF. Dieu dit que le CAF, c'est l'ingrat. Dieu n'aime pas l'ingrat. C'est pour qu'on arrive dans la CAF. Bon. La Guinée, quand on arrive à la pétrinale. On t'en apprend qu'une vie. Alors, ta légitimité, ça vient d'où? C'est parce qu'en ce moment précis, toutes les formations politiques et en dehors du RPG et certains de ses alliés ont refusé. La majeure partie a accepté et à partir du moment où la majeure partie a accepté de participer à la transition parce que la transition était nécessaire et indispensable. Mais ce n'est pas un mandat qu'on lui a donné. On dit la transition doit se fixer des objectifs. Mais avec un choix précis, je vais toucher deux secteurs. Toi, le reste, ce n'est pas mon problème. Parce que je ne suis pas élu. Je n'aime pas le bel programme. J'ai pris le pouvoir, c'est pour faire ça. Refondation, récapitulation, quoi. Mais tout ça, c'est parce que les intellectuels ou bien certains diplômés malhonnêtes ont pris pour se transformer des idéologues de circonstances pour essayer d'empoisonner la vie politique et de pousser ce pays dans une guerre civile. Et après, ils vont rejoindre leur famille en France. Mais ça ne se fera pas. On mourit, moi, je l'ai dit. On a plus de rampe pour ça. Après, je m'en dis, mais on t'entend sur ma vie, on s'en prend. On parle, on dit, 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 alors, il n'a aucune légitimité aujourd'hui de remettre les partis politiques en question. Et bon, la preuve, c'est que
Le ministère de l'Organisation du Territoire, il n'y a que des combien qui sont nommés. Bah, est-ce que dans la charte et dans la constitution guinéenne, c'est dit que c'est les combien seulement qui doivent gérer la. D'abord, c'est illégal parce que c'est des technos. Et ce qu'ils font, c'est contraire à la loi. Ils veulent nous pousser, nous, à respecter la loi. Nous ne respectons aucune loi. À partir du moment que Mamadou est chargé de garantir la charte de la transition, il a violé la charte, nous aussi, il n'est plus votre chef. On ne vous connaît plus. Et nous allons saboter, pardon, nous allons essayer de demander à la population de ne pas reconnaître les chefs de quartier que vous avez nommés. Cherchez-les ! Et les partis politiques de retirer leur confiance à Mamadi à travers une résolution. Si vous n'êtes pas courir, là, je ne vous peux pas. Tous ceux qui sont à la tête des formations politiques, si vous travaillez pour la Guinée, si vous travaillez pour la population guinéenne, retirez votre confiance à Mamadi. Si vous n'êtes pas corrompu et si ne vous tient pas avec les dossiers, que d'abord tu lui dois donner la liberté pour que toi-même tu sois libre. C'est ça. Si tu n'es pas libre, tu ne peux pas donner la liberté aux autres. Voilà. Et c'est pourquoi, dans tous les pays du monde, c'est les hommes courageux qui doivent donner la liberté à leurs compatriotes. C'est de ça qu'il faut parler. Toi, tu es un militaire. Toi, tu es un avocat. Toi, tu es un leader charismatique. Ainsi de suite. Alors, la loi qui est en Guinée, c'est une forme d'apartheid, mais cette fois-ci entre les Noirs. Voilà. Comme il n'y a pas de blancs en Guinée, peut-être les blancs qui sont là-bas, c'est le Liban. Voilà. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. C'est révoltant, hein, parfois d'être bien et de suivre ce qui se passe. C'est vraiment révoltant. Il faut que nous nous ressaisissons pour essayer de voir le mal que nous sommes en train de faire à ce pays, à notre progéniture. Tout le monde dit moi. Mais après vous, la Guinée ne va pas exister. D'ailleurs, ça avait très bien dit que l'armée de Sana, personne, les gens qui étaient à Kalea, personne n'a été libéré. Tous ceux qui ont été recrutés de Kankan, de Sana, ils étaient dans l'armée. C'est pourquoi Sekouba a continué à renforcer, ainsi de suite. C'est lui qui a foutu l'armée guinéenne. Mais il sera jugé par une cour martiale. Même après sa mort, un journal qu'a retenu, dans la parole. Pour votre trahison, très haute trahison, peut-être d'accepter, Blaise Compaoré, d'envoyer un autre officier pour chapitrer l'armée guinéenne, pour parler de souveraineté. Est-ce que vous êtes un État souverain? Un État ridicule? Voilà. Et encore, ce sont vos enfants qui font ça. Et pas Naraba, on a rassemblé. Bien, la Guinée. Là, ça raconte aimer la Guinée, là, ça raconte accepter une fois. Il y a même une force étrangère en Guinée. Parce qu'on pourrait tout faire pour mettre main sur la Guinée. Il n'a réussi que c'est quand vous êtes venu au pouvoir et vous l'avez offert la Guinée sur un plateau. Quoi que le Réman reste dans sa Burkina, quoi que le Réman rentre la Guinée sur la Burkina, je vous donner la statistique un jour. Et avec les documents à l'appui. Avec la complicité de certains leaders. Oui, qui se disent leaders. Voilà. Alors, mon frère, parlons peu, parlons bien. Et il n'a aucune légitimité. Je te dis aucune. Pour dissoudre les partis politiques aujourd'hui, de suspendre les actions et de mettre d'autres en souci, parce que c'est ce qu'on appelle en souci, et lui-même il sera en souci. Mais tout ce que je regrette dans tout ça, ce qui me fait mal au cœur, c'est que c'est encore Baoui, qui est premier ministre, et ça a été fait à son temps. L'histoire nous rappellera un jour. Mais quand tu mènes un combat noble, et que c'est sincère, et que tu le fais pour ton pays, Dieu va toujours te tirer, il va t'éclairer. Il y a certaines décisions, tu ne peux pas t'associer à ça à un moment. Sinon, chaque homme a ses faiblesses, ainsi de suite. Soit c'est par ton entourage, soit c'est par tes enfants, ou bien c'est par l'amour, ou bien il y a quelque chose. Parce que, avant tout, nous sommes humains. Nous sommes des hommes. Mais de grâce, il faut éviter d'être en conflit avec l'histoire. Et Baoui, il faut noter très bien, c'est en votre temps que l'UFDG va être sur l'observation de certains partis politiques. Et vous avez toujours dit que vous êtes battu pour le multipartisme intégral. Maintenant, aujourd'hui, c'est le multipartisme anarchique. Mais, à moins que quelqu'un n'a créé son parti pour essayer de se défendre et défendre ses intérêts personnels. Mais si vous travaillez tous au nom de ce peuple, donnez-vous les mains et vous faites une résolution pour retirer votre
confiance à Mamadi et il n'aura aucune légitimité. Quoi qu'il y ait avec son parti, mais c'est quoi? C'est un parti de cabine téléphonique. Parce qu'il pense que la destruction des autres partis, ça va lui faire oui. la promotion pour avoir et ainsi de suite. Parce qu'il ne sera jamais prêt. Et il ne sera jamais prêt. Parce que tout son problème, tout ce qu'il a volé pour l'État guinéen, il doit rendre compte. Et c'est moi qui le dis. Il rendra compte. Parce que c'est notre argent. C'est l'argent de mon pays. Et moi aussi, je suis un contribuable, je suis un pays de la Guinée. Moi, mes parents ne viennent pas, mes grands-parents ne viennent pas de Bamako hein, et du Mali. Jamais. Sont tous de la Guinée. Jamais. Je dis ça en passant, parce que je l'ai écouté une fois. Vous voyez, dire qu'à Koussa, même là-bas, mon père est venu là-bas, et puis ainsi de suite. Comme c'est eux qui savent de tout ça là. On a demandé. Le Falam a laissé les acquérir Bamako. Alors, c'est ce que nous devons faire. Tout le monde, à moins qu'il y a des traîtres qui portent, hein, voilà, qui sont infiltrés. Mais sinon, si c'est trop, c'est trop. Comptez, c'est vous qui avez dit à Comté, il vous a dit deux parties. Voire même trois. C'est vous qui êtes sorti. Toi, Baoui. Ce que vous n'avez pas fait en Guinée, c'est quoi? Vous avez dit, il faut multipartisme intégral. Et je vous ai suivi à l'époque, vous avez dit oui. C'est parce que la liberté ne doit pas être, il n'y a pas de restriction à la liberté. Il faut laisser chacun choisir son parti et de créer son parti. Vous avez créé. Vous en avez tellement créé que c'est devenu maintenant de la pagaille. Je le sais, mais c'est le futur président qui va être élu. C'est son problème, ça. De mettre l'ordre pour que lui, il a une légitimité. C'est parce qu'une partie des Guinéens ont voté pour lui. Il a une légitimité, il peut faire des réformes. Il y a un parlement normal. Ce n'est pas le CNP de coquin copain qui est nommé par affinité et en violation de toutes les règles. Voilà. On ne peut pas continuer. Quels sont les critères de nomination? Continue. Ah, si ce n'est pas par ethnie. Mais moi aujourd'hui, mais dis-moi que je suis ethno, mais je vous dirais que je suis fier d'être ethno maintenant. Parce que vous êtes plus ethno que n'importe qui, vous êtes régionaliste. Qu'est-ce que vous êtes en train de m'enseigner? Moi, j'ai épousé une femme malinquée, mais j'ai plein de soucis, j'ai des amis, j'ai formé des malinqués dans mon cabinet, des peuples, et ainsi de suite. Il y a des peuples qui ont vécu dans ma famille, ils sont tous dans ma famille. Il y a des Makanira dans ma famille, il y a tout. Ma belle sœur, que son âme repose en paix. Il y a des Koulibani dans ma famille. Est-ce que vous tentez de quoi? De plus ethno? Il y a même Bilibogi dans ma famille. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez me dire? Et vous fermez vos yeux sur tout ça là, vous essayez de faire quoi? Vous faites du mal à la Guinée. Moi, si j'étais ethno, je n'avais pas devenu la coca, parce que j'allais avoir honte. Moi, je défends les valeurs et les principes, et jusqu'à ma mort. Mais quand vous montrez qui je suis, je vous montrerai aussi. Je suis ça. Voilà, parce que je suis ça. On me dit tout à l'heure, je ne peux pas les Français. Mais tous ceux qui sont Français, mais ils vont se lever contre toi, s'ils sont dignes. Ah, c'est quoi ça? Vous pouvez quand même piétiner, même ceux qui vous ont reçu. Exemple type de l'ingratitude, c'est ce qu'on a fait. Il a vécu dans la famille de Kerpala, il a détruit cette famille. C'est lui qui a ordonné de faire arrêter les alliés et de les déloyer du pouvoir. Oui. Parce que c'est le premier ennemi des Soussous, c'est ça, c'est qu'on a tué. Il n'a aidé aucun Soussous qui était autour de lui. Oui. Et les gens, ils n'ont qu'à insulter. Moi, je m'en fous. J'ai même un petit qui était avec lui. Je respecte ma mère et je respecte tout le monde. Mais quand tu vas insulter les gens, mais il faut regarder d'abord ta femme et tu regardes ta maman et autres. Et quand tu es autre, là, après, maintenant, tu vas insulter. Et c'est lui qui donne les instructions pour insulter les mamans des gens. La preuve que vous êtes tenté, la réparation, mais il te m'a dit le combien. Non, c'est la tu m'as dit. Ma tout ce que mon minima, oui. Pas le fouillant, papa, ou rallye. Parce qu'on est dit, nanay. Mais tu es comme tu finiras, ou là, quand tu es dit, nanay. La femme, quand la moune a même dit, il a mané à sous toi. Parce qu'elle a dit, sous toi, lui. Parce que, on est dit, nanay, et dit, nanay, pardon, excusez-moi. On est dit, nanay, c'est dit. Vous ne respectez même pas les femmes. À mon avis, parce qu'il est comme il y a un homme qui est renouvelé. Mais ça veut dire que tu es mal élevé. La preuve, même la tête de ballon d'or là. Et il y a un homme qui est en train de dire il a en photo de le ballon seulement, mais il y a beaucoup de critères. Si tu n'es pas bien élevé aussi, et tu ne fais pas le fair play, il s'est dit il m'a sauté, il a goûté. Il va jouer à Matouba, c'est un homme. Bien. Et dans tout ce que je regarde, les autres. Et non, on va donner ça à un Louba, ou bien quelqu'un qui
qui se comporte là, on dirait que tu es, même si tu as du talent, tu es le plus intelligent, si tu n'es pas bien élevé, tu ne pourras pas. C'est ça la différence entre... Et regarde Ouattara, là, quel conquérant, pour tout ce qu'il peut. Alors, l'éducation, c'est la clé de la vie. Oui. Si tu n'es pas bien élevé, même si tu es sorti de quoi, voilà, Oxford ou bien où, la plus grande université du monde, c'est zéro. Voilà, tu n'iras nulle part. Tu ne pourras même pas arriver, même une petite famille de 5 personnes. Alors, mon frère, oui. Parlons peu, parlons bien. Nous avons un problème en Guinée. On ne peut pas accepter ça. Ça cause, c'est devenu inacceptable. Et puis, l'opposition doit réagir de façon ferme. Voilà. En commençant par les actions pacifiques. Les actions pacifiques, d'abord, il faut boycotter tous les chefs de quartier, toutes les délégations spéciales sur l'étendue du territoire, pour leur montrer que c'est nous qui sommes majoritaires. Oui. Ce sont leurs fonctionnaires, ils n'ont qu'à se débrouiller avec ça. Oui. Et après, nous allons commencer avec les ambassadeurs et affrétés là, qui nous ont envoyés, les malfaiteurs de tous les régimes. Oui. Voilà. On va commencer, on va s'occuper d'eux. Nanara. Et n'acceptez pas ça, parce que c'est inacceptable. Voilà. On a franchi le Rubicon. Il aura compris ce n'est rien à moi. C'est parce qu'il y a des dossiers sous des gens. Ils ne peuvent pas nous dire la vérité. Mais nous, Noma, il est combattu des échoues à Kaïra. Nous, Noma, ça ne peut pas être indépendant. Parce que l'affaire de ces 200 millions et quelques de francs suisses là, à connaître. Il y a d'autres qui connaissent aussi l'affaire de 8 tonnes d'or. Voilà. Et Inyongama, avant qu'il n'y ait pas de chat, avant, entre deux tours. Et Inyongama, vraiment, nous sommes baillés. Kamamou c'est à Boutina. Mais les fans là, et autres là. Et puis t'en arrives là, tu dis, non, ouais. Ils n'ont qu'à parler. Ils n'ont qu'à parler. Ils n'ont qu'à parler. Parce qu'ils savent le contour, comment le pouvoir a été donné à Alpha. C'est parce que, il y a un jeune qui a pleuré, Maître Jokami. Il a osé, il a dit. Il a écouté l'audio. Et il a dit, comment le pouvoir. Comment ils ont changé les résultats. Ils savent tout ça. Mais ça va vous rattraper tout seul à eux. Et quand on vérifie, on ne peut pas aimer la Guinée. Parce que certains ne sont même pas des Guinéens de deux générations, mais trois générations. C'est quoi ce sujet-là? Vous avez tous investi au Sénégal. Même le dernier gouverneur de Sékouba, il a sa maison au Sénégal. Alors, c'est ça. Et vous ne pouvez construire un pays que vous aimez. Et mon bon, il n'a pas de matima, il n'a pas de problème à ma somme. Pas de dîner à la problème à la main. C'est ça la vérité. Faut aimer ton pays comme plus que ta personne. Faut que tu aies ma tour. Il n'y a rien à dire. Ma conyate à gomme à ton goût. Tu as donné des leçons. Est-ce que chez vous c'est comme ça? Vous voyez vos parents en train de sombrer dans la misère noire et vous êtes en train de faire de l'opulence. Même entre les malinqués, il y a des malinqués de Sigiri, il y a des malinqués de quoi, il y a des malinqués de Koucha, il y a des soufous cela. Entre les soufous, c'est ceci, cela, ainsi de suite. Entre les peuples aussi, c'est pareillement. Les forestiers, ça, on n'en parle même pas. Il y a des manos, on est incapable même autour d'une région de faire militer. Et ce sont ces gens-là qui parlent de panafricanisme. Quel panafricanisme? Le pacoti, ouais. Hein? Tu es nous-mêmes dans ton propre pays, après toi, tu parles de panafricanisme? Bon, c'est un mec qui parle de panafricanisme là. Hein? Est-ce qu'il parle même de la langue de Soufou? Tu l'as entendu parler de Soufou? Moi, je parle malinqué, mais malinqué, quand voilà. Est-ce que toi, tu parles de Soufou? C'est-à-dire. Il y a que le Mireille n'a pas grand temps, il faut la mettre en main. Parce que n'a rien à dire. Je respecte les vrais griots, un mauvais griot. Parce que les vrais griots, c'est des nobles. C'est des conseillers de chefs. Non, année là. Allez, attends-moi. Les vrais griots, m'excusez. Très bien, il n'est pas griot lui, il a pris le nom. Voilà, c'est Ouya Sanda. Nous sommes faux type. Alors, mon frère, revenons sur ta deuxième question. Je ne sais pas si tu avais une question sur les conséquences, quoi, là. Je ne sais pas. D'abord, l'indépendance, les conséquences économiques, quelque chose comme ça. On en avait parlé, je crois, hein, on en avait parlé. Bon, et si tu as d'autres questions, non, conséquences. Parce que je ne voulais pas rester rentrer dans les techniques, il y a des conditions. Et mais tout de suite là, les partis populaires attaquent. Voilà. Ils doivent attaquer. La décision. Ils doivent attaquer et l'arrêter là.
arrêter de complaisance d'un ministre apprêté, illégal, militaire, qui n'a aucune compétence pour être ministre de l'Intérieur du territoire. Ouais. Faites que son appartenance est dans le cercle du PDG. C'est tout. C'est tout. C'est pas autre chose. La compétence, c'est tout. Parce qu'il est condé. Et quel condé encore? Parce qu'il y a des condés de Fadame. Voilà. Parce que tout le monde est devenu condé. Quand le temps était là, n'importe quoi. Alors, c'est ça. Attaquer d'abord, faites la procédure contre l'arrêté illégal. L'arrêté de complaisance. Ils ont vidé le ministère de l'administration du territoire. C'est pourquoi j'ai toujours dit. Les gens n'ont pas organisé une élection libre et transparente. C'est qu'ils sont partis plus que le PDG. Un PDG. Ils ont fait semblant de suspendre le PDG ou de mettre le PIP et ça, tout ça. Tout ça, c'est pour se retrouver. Parce que les nouveaux partis qui sont créés, c'est des partis comme ça qui vont les accompagner aux élections. Parce que nous sommes des zèbres. Ce qui s'est passé en 2010, ça ne se passera plus en Guinée. Cette fois-ci, il y aura une élection certifiée en Guinée. Sinon, il n'y aura pas d'élection. Si vous voulez, recrutez tous vos parents dans l'armée. Mais, il y avait des gens qui étaient dans l'armée. À tout fin, quand on a pas de rêve, il me dit, regarde, voyez-moi, votre chef d'état-major de la gendarmerie, c'est pas un maître nageur, il n'a pas pu. Parce que ceux qui sont venus, c'était des vrais militaires. Voilà. Il s'est passé là où il a pris ses militaires-là. Voilà. Alors, je crois que vous avez une deuxième question là, si je ne m'abuse. Ma deuxième question, nanana, au ma yibori, économiquement, à mon langue. Car l'indéne il a des conséquences dans ces barres. Parce qu'il y a un gouvernement qui a fait une transition là-bas, a fait un gouvernement normal là-bas. Et puis, la Guinée a une économie dans tout le monde, et ça, ça il est bête, et Boril Luna. Quel fait Nia Mounduma, Hania Mounduma. Il n'y a pas de faire la Guinée qui est bien. Parce que, à plus, il y a la main, l'économie n'est stable. Comme j'ai viens d'écouter. Votre ministre avec son comédien là, je ne sais pas, Banta Mobiri Marie Farmabi. Nam, on va y aller. Ma question, frère de mon frère, Nam, mon frère, l'homme qui a marre de ton côté. On a fait quelqu'un avec le Québec. On a fait quelqu'un avec le Québec. En 1958, l'indépendance était inéluctable. Après la loi Gaston de Fer, qui a donné une large autonomie des colonies, mais l'indépendance était inéluctable. Tu as écouté au fait Boigny. Nous voulons manabilma, parce que nous on a ça, manabilma arabe. Et comment, avec qui, Petit Touré, ils ont choisi ce Touré. Parce que Petit Touré avait épousé la nièce de Félix au fait Boigny. Parce que Samori, une bonne partie de la famille de Samori se trouvait vers la Côte d'Ivoire. Il y avait une de ses filles, que ce Touré, maintenant, non Petit Touré, et ce Touré Spongo, et la Sou, ce Touré de la Spongo, on a la Sou, faites voyer. Et après, le cas de Mamba Sanouz, et puis qui encore, Madira, qui ont été mutés, RDA n'avait pas de représentant. Parce que c'est que les gens disent que c'est pas Sectoré qui a créé le PDG. Contrairement à tout ce que les gens disent, il a été présenté d'abord par un autre parti qui a un nom et il n'a plus jamais été élu. C'est quand en fait Boigny l'a pris en charge maintenant et il l'a sponsorisé et il a mis l'administration coloniale à sa disposition. Parce que c'est ça la vérité. Parce que en fait Boigny a été ministre. Il a été député, après il a été ministre dans un gouvernement, ministre d'État dans un gouvernement français ici. Qui volait, et puis il était à tuer tout. Et avec les postes de général de Gaulle, ça c'est autre chose. Les Debré, les Pompidou et autres. Qu'est-ce qu'il a fait? Pompidou était un camarade de promotion de Senghor quand ils étaient à l'école normale. D'abord, lycée, le gant, après l'école normale. Alors, ils passaient les vacances ensemble. Ça, c'était un privilège. Pour un noir,
à l'époque, il faut le dire, il ne faut pas être complexé. Parce que, Pompidou est de la haute bourgeoisie ici. Et puis une intelligence, mais c'est Pompidou qui a construit la France. Vous pensez que c'est Général de Gaulle? C'est sous le leadership de Général de Gaulle que Pompidou a fait tous les travaux là. Celui qui a dit en France ici, essayez d'emmerder les Français avec les textes là, et vous allez libérer leurs initiatives, le pays là va marcher. Tout ce qui est là aujourd'hui comme autorité, tout ce qui est là comme des maisons sociales et des logements sociaux, c'est lui qui a fait tout. Alors, c'est l'un des plus grands Français, Pompidou. Quand tu as eu la chance d'étudier avec un monsieur comme ça, mais il faut se dire quand même que vraiment c'est un privilège pour toi. Il Senghor avait un niveau académique. Tu peux ne pas l'aimer, mais il avait un niveau académique. C'est pourquoi il prenait les Sénégalais pour venir faire le bac ici, à l'époque, parce qu'il était visionnaire. C'est pourquoi en fait, Bagnou le traite de citoyen de Normandie. C'est tout à fait normal. Il a été citoyen français. Ça, on n'en discute pas. Alors, l'indépendance était inéluctable. De Gaulle, il avait promis aux Africains, après avoir vaincu les nazis, libérer la France. Mais on aurait fait, ça allait se faire. Maintenant, c'est un processus qu'il fallait observer. Mais quand tu dois faire quelque chose, il faut penser aux conséquences politiques et aux conséquences économiques. Les conséquences économiques. En fait, Boigny quittait la Guinée. Parce qu'il sait que c'est la Guinée qui devrait être le pays phare pour la France, le pays le plus riche parmi ses colonies, mais le pays le plus encore franchement stratégique, parce qu'il y avait des minéraux stratégiques chez nous. Sans oublier que le fer d'abord, concasseur là, Abine Pernard, qu'on a cru d'or fer en Afrique. Parce que vous êtes en train de le dire, vous ne connaissez même pas votre pays. Pourquoi vous en avez transformé en une poubelle? Pour envoyer même des déchets toxiques. Alors, la Guinée devrait être plus que l'actuelle Suisse. C'est la Guinée qui devrait créer de la richesse. C'est la Guinée qui devrait donner de l'énergie. Parce que tout ce qu'on fait dans la vie là, si vous ne maîtrisez pas l'énergie, vous ne pouvez rien faire. Et nous, on avait l'avantage d'avoir des minéraux, on avait l'avantage d'avoir des sources énergétiques. Nous avons, on peut faire des barrages concourir ainsi de suite. On peut faire combien de barrages? On peut faire barrage électrique pour donner l'énergie propre. On peut faire aussi. Et l'aluminium, l'aluminium d'abord, le bauxite d'abord, c'est l'aluminium. Après, l'aluminium, ça devient aluminium. Et ça, c'est la Guinée qui regorgeait. L'une des plus grandes réserves, ça fait de notre pays, parce que après la guerre, tout le monde avait besoin de l'aluminium. Pourquoi? Parce que l'industrie aéronautique en avait besoin. Pour le transport de l'électricité, les fils électriques, on en avait besoin. Pour construire même des canettes là, on en avait besoin. On avait besoin de l'aluminium dans toute l'économie du monde mondial. On voit les glaciers qui sont à Dubaï et autres là. Tout ça, c'est l'aluminium guinéen. Mais Rémoussé n'a pas coulé ma colère. Alors, à l'époque, qu'est-ce qui était prévu pour la Guinée? À partir du 29 septembre, la Guinée a été. La Guinée devrait être un pays indépendant. Parce que le conseil du gouvernement, on a voté non. Le conseil du gouvernement, le 9 septembre, à Conakry, on a décidé, et c'est qui était le président, et comment il est venu jusque là-bas, cette carrière politique a été gérée. Si vous avez remarqué, même Corny Gentil, quand il faisait des grèves là, Corny Gentil se déplaçait pour venir, il se rencontrait notamment dans sa résidence privée. Ni témoin. C'était l'homme qui était plus proche des Blancs. Et c'est pourquoi tous ses amis là, qui étaient contre, qui voulaient l'indépendance, il les a tous tués. Ceux qui disent qu'on était des étudiants, on était des étudiants à Paris. En fait, Bagnac, il y avait des étudiants qui avaient de l'impact sur De Gaulle ici. Mais personne. Il s'agit parce que ça, c'est des buts d'esprit. Comme il le dit. Chacun veut avoir sa place. Ah oui, nous, les étudiants noirs, on a fait ceci, on a fait cela. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous étiez même dépendants de la colonie. Si vous êtes seulement de supprimer vos bourses, vous allez tout devenir des sans-domicile.
pour arrêter un peu. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons pris l'indépendance. Un bon matin, nous avons dit non au référendum. Les adversaires politiques de M. Sékou Touré regroupés avec M. Bali Yawadou, se sont regroupés avec les leaders locaux du parti de regroupement africain. Et aussi, ils ont décidé à l'unanimité de voter non le 28 septembre. Mais les conséquences politiques, il faut laisser ça, parce que jusqu'à présent, le pays n'a pas été stable. Non. Jusqu'à présent, le pays n'a pas transmis un pouvoir et légalement. Et jusqu'à présent, le pays n'a jamais été une démocratie. Pour rappeler que le parti qui a été créé, c'était le Parti démocratique de Guinée. Mais c'est le parti dictatorial de la Guinée. Et jusqu'à présent, nous sommes dans le Nord. Nous sommes dans la dictature la plus rétrograde. Et jusqu'à présent. Et d'ailleurs, on se identifie à des chefs qui ne font qu'on tue. C'est quand tu tues en Guinée, on t'appelle Samoul. Oui. Voilà. Alors, les conséquences. L'exploitation annuelle de la banane, des bananes, café, diamants, de minerais de fer et de bauxite évoluait à l'époque, c'était 5 milliards de francs français par an. Et bien, la recette nous dit. Aujourd'hui, nous avons combien de recettes? Nous sommes en train de vendre même. On a un fonds d'atmatif et un fonds d'air. Parce que, au moins bauxite, on a au moins réglé, sacrifié, fait. Qu'est-ce que nous avons? Est-ce que francs français à l'époque, vous imaginez 5 milliards, il faut évaluer ça aujourd'hui. Et pour les économistes, ils vont te dire aujourd'hui, c'est l'équivalent de combien? C'est l'équivalent de 200 milliards de dollars? Ou bien 20 milliards, ou bien 100 milliards de dollars? Aujourd'hui, nous sommes à quel niveau? Nous sommes endettés jusqu'au cou. À l'époque, ça c'était au temps colonial. Et quels sont les investissements qui étaient prévus pour la Guinée? Et le sort de l'argent, 200 milliards de francs français, de francs métropolitains, en cours d'investissement en Guinée. Il faut aller à la chambre de commerce de Paris ou bien partout même au Sénégal là-bas, tu vas voir, les archives sont là, ici. Tu vas tout voir. C'est ce qui était prévu à l'époque, en 1959-58, 200 milliards de francs français. C'était prévu. Et nous avons vendu la SBK à 17 milliards de francs français. Oui. Ah voilà, avec une dette. Et c'est 200 milliards que les Blancs devraient investir en Guinée. Et surtout ces investissements-là qui sont retrouvés en Côte d'Ivoire. Quels étaient les secteurs qui étaient concernés? 94 milliards de francs français sont destinés à la construction de deux usines d'alumine sous les gisements de bauxite de Fria et de Boki. À l'époque, et pour la reconstruction, et pour le développement des autres pays, il fallait construire deux usines d'aluminium en Guinée. Une à Boké, une à Fia. 56 milliards nécessaires à l'éducation de la première seront en principe fournis par la société Pechini et le groupe industriel anglais, anglo-américain et suisse. Tout ça s'était positionné déjà. Les 35 milliards de l'usine de Boké seront avancés par le groupe industriel franco-canadien. Ces opérations sont l'une et l'autre d'ores et déjà engagées. C'était engagé déjà. C'était projet fini et le financement était bouclé. Un autre devis. Il suivait certaines estimations. On atteint 100 milliards. Selon d'autres, 150 milliards. Porte sur trois projets distincts, groupés sous le nom de projet de Concorde. On a au chinois, il a écrit Bakri. Premier concerne la construction financée par des capitaux privés d'une usine d'aluminium et d'une capacité de 160
1000 tonnes par an. Aluminium, hein, je ne dis pas aluminium. Hein. Voilà. La seconde porte sur l'édification d'un barrage susceptible de fournir annuellement 3 milliards de kilowattheures d'électricité. 3 milliards de kilowattheures pour la reconstruction et le développement. C'est la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, BIR, avancer les capitaux nécessaires à cette réalisation. Enfin, troisième projet porté sur l'équipement hydroélectrique du barrage et de l'usine, et son financement devrait être ni public ni privé. Après l'accession à l'indépendance, trois options restaient possibles, sous réserve de certaines d'entre elles, au moins avec l'accord de la France. L'indépendance au sein de l'association des peuples libres et l'abandon de la zone franc et l'indépendance avec le maintien au sein de la zone franc. On a laissé tout ça. Au fait, Boyan en a profité pour repositionner son pays. Parce que le mot indépendance, c'est lui qui l'avait mis dans le texte. Parce que De Gaulle n'a pas voulu mettre le mot, et les autres n'ont pas voulu mettre expressément. Et si tout le monde avait voté contre, à l'époque même, tout le monde avait voté oui, on allait retomber encore, aucun pays ne sera indépendant, on allait retrouver encore la loi et Gaston de Fer. Et il n'y aura pas d'évolution, la communauté que général De Gaulle a prévue, voilà, et ça allait être. Parce que c'était quelque chose, mais l'indépendance était là. Vous pouvez prendre à tout moment. Et pourquoi vous refusez tellement que les gens avaient. Certains voulaient remplacer les colons, voilà aujourd'hui là où ils sont. Ils ont aboli la sécurité traditionnelle afin de faire tout ça. Aujourd'hui, on est où? Vous abolissez la sécurité traditionnelle, vous mettez les escrocs à la place des sécurités traditionnelles, les gens qui sont sortis de nulle part. Aujourd'hui, on est où? Mensonge, voulez, brigandage, délinquement, avec tout. Voilà, au moins, c'est pour faire les tickets. De l'extérieur à l'extérieur. Oui. Quand tu prends un Ivoirien, à part Kouloya Kotia, Rapi, Touré Naran Nabi, Tournesol, Atar Tourbe, tout ce qui est là, Walna, à faire Côte d'Ivoire, mais quoi, pendant moi, j'écris Côte d'Ivoire. Et le canon de Tournesol, on a un canon. Non, vous savez, Mati, une famille, une bombe farbourira. On va tourner à organiser faire, on va essayer d'organiser faire. On continue. On a dit pour le moment. Il a pas mis rien à copier, on a rien à rouler. Il faut pas qu'on ait tourné à rien. On dit un coréen là, Mike, avec les simples soudeurs, les ingénieurs et coréens là. Il faut pas mettre au même rythme. On tombe mal à l'endroit où on va équiper ton gros para. Les accessoires. Alors comment dire à quoi est-ce que nous allons servir les importés? Il faut faire tenir le coréen lundi. Et rien n'a pas par une fois à l'Alcoréa, l'Andéra, l'Imbarnou. Parce qu'à bien, il y a la mobilité. Alors, mon frère, on a un enquête, à conséquence, politiquement, c'est le pays le plus instable. Anya, Sénégalais, Mato, Mama qui pourra tomber à ce bord-là, Bolivan pourra tomber à ce bord-là, Bolivan pourra tomber à ce bord-là, mais on t'a moyen. Non. En Côte d'Ivoire, vous faites tout ça, mais pouvoir maintenant tomber dans ce BDI là, avec les institutions ont fonctionné, mais on t'a moyen si on assemblée par pouvoir sonner là. Rien. On attend tout qui fait un braquage, et puis on prend quelqu'un, on le fait, et dès sa famille, ah, il est sorti de Sorbonne, il est sorti. Vous n'avez pas les Français pour parler de leur université. Vous pensez que Sorbonne c'est une référence maintenant? Pour certains, non. Arrêtez. Et puis vous venez là. On forme les gens de Michel Camano et puis vous partez là-bas pour faire des verbiages. On entend tout Maya Kosia. On veut parler de l'Académie de la Guinée sans faire le psy là. Et attendez, quel est le juriste qui a enseigné au Sénégal et ailleurs? N'importe quoi. Et les gens qui ne peuvent même pas rédiger sont en train de parler là-bas. Oui, nous sommes dans l'Académie avec des faux docteurs qui ne sont même pas validés. Vos thèses ne sont même pas enseignées.
Est-ce que vous êtes en train de dire docteur Mamoud Bari. Alors, il y a Fama, Aroua. Mais on est dans l'académie là-bas des Sans Salifsina. On est dans l'académie là-bas des Mendissans et Président Sima. Avec son expérience, académie de quoi? Académie des sciences, n'importe quoi. Arrêtez de se foutre de nous. Tout ça, c'est à l'image du CNRD, avec son idéologue, ancien milicien, voilà, qui a étudié, qui a plus de 100 et quelques diplômes. Voilà. Et plus que son âge. Voilà. Chaque 3 mois, peut-être 1 mois, il avait un diplôme. N'importe quoi. Académie. Alors, c'est ça. Très bien. Les conséquences. Voilà. Voici les conséquences. Non, mais Académie de Maguire, ouais. C'est tombé. Toi, tu peux créer ça. Hein? Là, les bassures, tu ne peux même pas, tu n'es pas même les cabinets. Parce qu'au moins, ils ont fait leur preuve ailleurs. Autant mousser la barre. Vous n'êtes consommé qu'en Guinée. Vous allez faire des choses, des dessus. C'est pourquoi ce pays-là est dans le trou aujourd'hui. Et ça me dit, oui, Thomas Meni. Il faut décret pour falsifier le décret de l'ancien raconté. Vous ne l'aimez pas, et puis pourquoi vous falsifiez, c'est pour les projets de décret. Vous ne vivez que dans le faux. Alors, voilà mon frère, les quelques-unes des conséquences économiques. Et nous avons perdu des investissements. Quel est le pays aujourd'hui? Quelle est l'institution qui va nous donner 200 milliards? Maintenant, vous courez derrière le Fonds monétaire international. Vous courez derrière la Banque mondiale. La Banque africaine de développement. Et c'est tout cela. Nous sommes où aujourd'hui? Vous avez donné le barrage aux Chinois. Les Chinois disent que ce n'est pas pour vous. Maintenant, allez-y. Barrage est dans un pays où vous n'avez pas de courant. Et puis, vous parlez de l'ancien Conti. Le barrage de Gaddafi. Mais Gaddafi, l'ancien Conti, c'était un financement local. Propre. Parce que quand ça n'a pas été bouclé, la France nous a accompagnés. Oui, et les gens ont saboté, et certains même font partie de l'opposition aujourd'hui. Ou bien ils ont géré ce pays. On a rien à la côté à Mandé. Il a dit mon barrage fait mal. Mais Mandé a dit qu'un barrage, autant un barrage, 3 milliards de dollars d'investissement et quoi? Où est le courant? Où est le courant? Et il parle avec les conflits d'intérêts. Tu viens comme ministre et puis tu payes tes factures. Tu payes tes factures partout. Il n'y a pas de ils n'ont pas la tête. Hein? Le DG, l'ancien directeur. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il a reçu des subventions. Ces subventions-là sont partout. Il n'a qu'à justifier d'abord, il faut faire l'audit. Au lieu d'auditer les partis politiques, pourquoi vous ne voyez pas, vous auditez vous-même d'abord. Et tes ministres qui ont volé, et tes proches qui ont détourné. Pourquoi vous n'avez pas communiqué sur le cas de Bokarli? Si c'est un gouvernement, comme vous dites que c'est la transparence qui doit gouverner, l'article 2 de la charte et l'article 1, est-ce que vous l'avez appliqué? Les 12 recommandations de la charte. Avec où est-ce le principe de neutralité? Vous nommez un président homme, non seulement le jeune frère de sa femme, le demi-frère de sa femme, les enfants de ce dernier, ainsi de suite. Ses parents, quoi? Vous dites que ça, c'est pas du neuf-petit? Ça, c'est quoi? Et après, ça voulait nous dire que c'était le meilleur président, ça. Là, tu racontes qu'il a nommé sa famille. Alors, on a été ministre? Non. Mais c'est Touré. Est-ce que Ismaël Touré n'a pas été ministre? Tout ce qui était Touré n'était pas des ministres. Ouais. Même son frère, il ne peut même pas aligner une phrase. Tous ces enfants m'en excuse. C'est lui qui disait que tu es Bac. Après avoir proclamé les résultats du bac. Avec la gare, il a dit, on affecte des gens. C'est pour prendre des décrets, il anime. Amara Touré l'a fait. Ça, c'est un régime normal. C'est pour ça que vous avez pris l'indépendance. Ils ont... Et vous êtes en train de nous servir de quoi? Au Fareti, au Tanaroupé des écolos, à Barfa. Et pas Mawara Guinée, au Babé, au Fréra, et pas Sawa Nadera. On a pas tant que nous retouque et sommes dans la famille. Pas tout le voilà. Très bien. Alors c'est pour ça. Ça a commencé. Il y a un grand frère qui nous a dit. Maman, tu ne peux pas partir. Et voilà. Parce qu'il y a des risques.
Et surtout le PDG aussi, c'était comme ça. Et tout le monde était fiché. Ah, mais c'est comme ça. Voilà, et tant que mes gros n'a pas fait. Nous n'avons pas parlé en français, Bambé. Ah oui. Nous allons essayer aussi de réactiver nos réseaux ici. Oui. Parce que trop, c'est trop. La démocratie n'a pas profité aux antidémocrates. Mais, faut dire, il y a que l'on communiqué Birin Toroma parce qu'il refuse de dénoncer les vrais criminels dans ce pays. Et encore, ils se promènent librement en Guinée, sort de la Guinée, manso. Mais Nansera Bari, ou bien, et t'envoie une la Guinée, et nous, Lansana Kouyate Tongo, et nous, Komora Tongo, et nous, Sarangaraba Tongo, mais attends, Ndeera. Parce que moi, il est la Guinée, vraiment, moi. Mais Sarangaraba, t'a dit que Abraba, monsieur Ben, n'a pas même maté la Guinée. Elle était mise, mais tu connais cette chérie? Non, il fallait voilà, est-ce qu'elle était ministre? Non. Non. En arrêt, Abara, bon, monsieur, on est Mati. Attends, on est et bon, monsieur, on est d'abord pas de Nara. C'est le monde de Mayalandara. C'est beaucoup de Mayalandara. Ama Gorimba, il n'a rien à Mati, mais en vertu de quoi? La question va ça, Bumba. C'est pas mon roi, Kana. Hein? Ana Mati. Moi, quel Anna Tos, mon nom. C'est elle qui était directrice nationale du commerce extérieur ou intérieur. Tu vois que, comment le PDG fonctionnait. Non, mais, comme disait l'autre chef Fantamadi, c'est comme ça, c'est un décret. Après avoir quitté la CENI, avant élection organisée, à sa matière, le résultat bien saboté. Après, celui qui s'est retrouvé à la Cour suprême. Aujourd'hui, c'est mon ami Bangoura qui est en prison. Et lui qui était secrétaire général là-bas, il est où? Il se promet librement parce qu'il est le PDG. Il fait partie du club d'armée structurée. N'importe quoi. L'impunité est garantie pour vos parents et pour vos enfants. Et vous sacrifiez les enfants des autres. Et vous dites que vous êtes dans un État. Vous n'êtes pas dans un État. Vous n'êtes pas dans un État, vous êtes dans un clan. C'est tout. C'est pas un État, ça. L'État fonctionne à travers les règles de droit. L'État fonctionne avec la loi. L'État ne fonctionne pas sous la volonté de quelqu'un ou d'un petit groupe. C'est tout. Et bim, c'est des ethnos, c'est des régionalistes. Personne n'aime la Basse-Côte. Ils aiment le climat de la Basse-Côte. Ils aiment les récits de la Basse-Côte. C'est tout. Ils sont en connivence avec les Maliens pour prendre notre pays. Et surtout la basse Guinée et la moyenne Guinée et la forêt. Oui. La forêt. Et puis le Tongo Bané. Parce que l'homme en Europe, dans la FA, en Arène de Pamboura, et ça dit Mali en Arène. C'est un baraga de Côte d'Ivoire et de Sange, à part de Hongroï. Et Manga Fla, comme tu sais, tombé. Quelle foutaise. Moi, je suis d'accord que tout le monde vient en Guinée, mais que tout le monde soit respecté et que tout le monde respecte la loi aussi. Voilà. Telle est l'Okinawa de Madaga Manakine. Il a tout foutu au moment là. Parce qu'il a tout foutu au lieu de ma cité. Voilà. Parce que Rémi était malheur que nous. Il s'est été ma cité. Il s'est été ma cité avec un petit poste. Ou bien il a 10 000 euros, 100 000 euros. N'importe quoi. N'importe quoi. On va fouler un visage. On va m'en dire. On est au moins. Et il fait nous matoir à mon écho. Voilà. Mais on va m'en dire. On va me mettre là. Même si j'ai un truc comme ça, c'est tout. On attend où il va nous mener à courir au point de maquiller. Ou bien tant, je viens comme ça de conseil départemental, hein, de travailler. Voilà. En tant que collaborateur extérieur, voilà. Pour faire des bonbons de mouille, vous préférez, bien on va se faire un matin, on voulait plus, on ne va pas nous mener à tout de même, on voulait. N'a rêvé les ouvriers guinéens. La Guinée est indépendante. Et ça ne suffira pas. Pas même 1 million 500. Quand je suis allé, c'est un métis libanais qui m'a dit, maître, on a fait 4 heures pour faire qu'il m'a dit, il va agréer la nana. Mais les ouvriers qui sont à Pria, et à Boké, et ainsi de suite, ils sont comme des esclaves. Mais naturellement, c'est le PDG qui a commencé. Investissement humain.
On a aboli un blanc, aboli le, tous les travaux, là-bas, les travaux forcés, avec au fait bon. Et nous, nous avons rétabli ça autrement. Investissement humain. Quel monde est colonne, investissement humain. Est-ce que ça reste à votre Wali? Ou ça remonte moi? Investissement humain. Et investissement humain, si tu veux le faire pour ton pays. Et bénévolat, on a eu des villes, mais tu le décides. Mais on ne peut pas t'imposer de faire le bénévolat forcé. Sinon, ça devient de l'esclavage. C'est la seule volonté, la seule différence, c'est que tu décides toi-même. Allez, quoi, ou juste à Wallah, faire mon film. C'est tout, mettre la décision. Mais si on t'oblige, on te contraint, c'est que ça devient de l'esclavage. Ou bien, Kadramar. Non, non. Moi, je parle de droit, ou bien, je parle de quoi. Ma colonne, t'as mis le droit, ma colonne. Ou demander à, mon prof, à l'un de mes professeurs, peut-être que t'as mis le droit, mais quand ta volonté n'est pas respectée, mais c'est quoi? Mais c'est notre volonté qui nous a donné l'indépendance. Quand nous avons dit non aux Blancs, il y en a qui l'ont envoyé. Mais pourquoi aujourd'hui, vous ne pouvez pas laisser les Guinéens choisir leur président? Au Khalifimri Fali, au Kramponé, tous les ministres, c'est des Magasuba, c'est des Maïga, c'est des Nimaga, c'est des Susitona, Ninarana, Abim, c'est des Maliens. Qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter? Ah, mais je suis le Sigrin, c'est faux. Abé Ouya, ils ne sont pas du Sigrin, ils sont tous les Maliens. Je ne suis pas contre les Maliens, je les respecte. Mais ils défendent leur patrie, mais défendons la nôtre. On peut coopérer. Mais cela ne veut pas dire que vous rejetez vos frères. Parce qu'il y a eu les plus grands contrats en Guinée. Lampadaire, où sont les lampadaires? Où sont les Papakoli? Qu'est-ce qui nous dit tout ça? Qui a fait sortir Papakoli? C'est pas qu'on a fait. C'est lui qui gère la jeune là. C'est lui qui a trompé ces gens-là. C'est lui qui leur a dit de faire 5 ans. C'est lui qui leur a dit de faire ceci, cela. C'est lui qui leur a dit d'envoyer tous les généraux à la retraite. Maintenant, il manipule les autres. Voilà. Parce qu'il a besoin des chefs d'escadron pour les manipuler. Il connaît leur niveau. Il a dit qu'il y a certains même officiers en Guinée. Et moi, maman, tu as plein de Faladi. Comment il peut se foutre des gens jusqu'à ce point? Je pense qu'il ne peut même pas dire leur. Toi, tu dis que lui, tu as donné des actes. Tu as distribué, tu as pris même des femmes dans les matchs. Pour venir les nommer à la douane partout. Il a foutu ce pays-là. Après, il veut se dire qu'il est héros. Il est quel héros? Il doit être traduit devant la cour martiale. C'est ça la vérité. Voilà. Maintenant, on va le faire, mais au moins, on va se dire d'ego. Parce que ça n'a pas été géré. Et la transition de Dadis à Sekouba, de Sekouba, à Alpha Condé, il faut auditer, c'est auditer, les dossiers sont là-bas. Sortez les dossiers si vous êtes client. Pourquoi vous jugez les autres au bord? Ça, c'est quel jugement ça? Ça, c'est pas l'argent de la Guinée. Alors voilà, on a eu moyen à lui. Il m'a guéri son mané. Il y a des Camerounais qui se promènent en Guinée, qui sont multimilliardaires aujourd'hui, qui sont en train de piller notre pays. Après, vous dites que les étrangers ne peuvent pas être les Guinéens, et les étrangers ne doivent pas être des directeurs de banques. Mais lui, c'est un Guinéen. Comment vous avez donné la nationalité à lui, à titre quoi? Vous vous fichez de nous. Voilà la Guinée aujourd'hui. Rien n'a été, et c'est le même régime, les mêmes personnes qui ont fatigué Alpha, et c'est les mêmes qui font là-bas encore. On va faire des. Voilà. Ils ont tracé leur stratégie, c'est d'organiser des élections. Vous avez vu notre circulaire là qui se promène, Macron, Madame Dinara, Oulénara. Mandu a dit qu'ils vont faire les élections bientôt. Il m'a oui, oui, oui. Élections législatives à le. Combien bah, Macron, mais lui là, c'est à dire. Non, non, tu n'as pas d'abord, mon nom, voilà. bar. Mais est-ce que le décret à la même barre, Parlement? Décret, tu donnes des références? Il a imposé ça à tout le monde, j'ai vu encore, même à la Cour suprême, les greffiers disaient, décret barre, venez, arrêtez ça. Venez, même comme ça, là, les gens se moquent de vous à l'extérieur. Décret barre. Non, attendez, décret numéro tel, SGG tel. Mais c'est tout, on est pas barre. Bon, maintenant, on va parce que, il y a que l'on
moi ma fego parce que mbay na furiki na na ki kha se ku na na ba makro bilem fora toba mfakeli dede nene la gine mu fang to mu fang na ki le color noir la fe rakel la non mais il lance na ku atena parce que yina ta finde robera toka and gain la Guinea Marade, Ascado, and Gende Gerunda Mamini, and Tikenem, Mametiba. And as a form of Kursama, parce qu'il aime dire qu'il est de Kursa, ou bien de Koba, and il est entre les deux régions, la Koba et chose, Ndara. Kerenana Kurinde, Igunya, Ibore, Kirdi Bangura, parce que c'est lui le planificateur. Monsieur le planificateur. Non, il y a maradi, il y a furimbe, parce que nous, c'est quoi Nara. Bon. Voilà. Ah, il y a une, elle n'a peut-être deux ans entre nous, hein. Bon. Quelque chose comme ça. À mon temps. Voilà. Mais, il se dit que, mais, non, la Guinée basse-côte, basse-côte-canadienne, il ne faut même pas aller loin. C'est un mythomane. Ah. D'abord, quelqu'un qui ne peut même pas te dire qui est mon père réellement à Frabimbe. Ah, mais, tu sais, je vais te dire quelque chose. L'homme, le type nouveau que le PDG a fabriqué, un homme à Baba Kindidi, Bekra, à Baba Luna. Ah. Oui. Ah. Un homme arrive à Saradi, à la écrire de l'Ossal Beton, à la Boksende, à la Rine Dem, à la Rine Ba. À la Rine Soiré, à la Rine Ba, à la Rine Ba. Ou bien Dalou. Kirdi à la Ba, Fabé. Ou bien Mauritanien Nara, à Rimasara. Nar Ganar Nara, à Rimasara, a été fini avec le Kara. Ou Nan Tourbi. Je vais vous dire quelque chose. Je jure pour mon honneur. Vous avez vu les simples bibliothécaires qui sont devenus des historiens en Guinée. Archivistes deviennent historiens en Guinée. Et Allah. Vous pensez que c'est des gens comme ça qui peuvent amener le pays à la lumière? Quand la Côte d'Ivoire prenait ses choses, avant l'indépendance, il y avait trois universitaires en Côte d'Ivoire. Trois. En fait, bon, il n'a pas. Mais il a. Quand il a gagné. Très. Allez, il n'a pas pour taper les lycées par an. Lycée par an. Parce qu'à l'époque, c'était interdit. Après, Benjamin, de créer les lycées. Mais il a fait, il a fabriqué, il a préparé la relève. C'est ça, un homme d'État qui aime son pays. Même les Burkinabés. En fait, il est préparé. En fait, il fait partie de PDCI. Avec l'argent des planteurs. Ivoiriens. On t'en moigne. Les planteurs d'abord, comme les gens, on a quand même. Sigma Dina, c'est pour nous. Les descendants des planteurs. Mais avec la loi cadre, on a tout pris. Mais vous nous prenez nos biens, vous nous prenez nos terres, vous nous prenez notre âme aussi. Là, on ne va pas, on va vous faire face. Et Alpha dit que si il n'y a pas d'élection libre et transparente, vous prenez des armes. Alors, c'est lui qui nous a dit. Oui. Vous avez pris des armes. Et c'est ça. Là, on a compris. Préparez-vous aussi, on va vous affronter. Je suis prêt. Parce que vous ne pouvez pas, non. Écoute-moi. Avec les bons maps, vous avez fait combien de milliards? 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 Attends, vous voulez autant en maillot là. Autant ça brille en langue. Toute la trahison contre la Guinée, c'est vous. Parce que vous nous avez menti du début jusqu'à la fin. Vous avez perverti cette société. Et nous allons redresser la barre. Perdre la Guinée, un pays qui part. Voilà. Vous prenez même moi, il y a des rois chinois là. Ah ouais. L'enfant de Kouyaté travaille avec les Chinois. Il a élu domicile ici, tous les projets là. Il travaille avec les Chinois. Non, il travaille avec les Chinois. Kouyaté travaille avec les Chinois. Et il veut vendre la Guinée aux Chinois. Le projet qu'on va achever, c'est lui qui a commencé. Bauxite contre quoi? Investissement. Il y a quel investissement aujourd'hui en Guinée? Rien. Amouna. Il ne fait que prendre de l'argent. Et il dit aux Chinois que c'est lui qui va être président de la Guinée. Et il est supporté pour ça avec certaines femmes. Ils sont tapis à Paris ici. Voilà. On va tout. On va vous dire, je vais vous dire. Parce que.
Non. Je vais te dire. Non. D'abord, à nous, c'est Colomb. Il ne peut même les chiffres, pour lui, les chiffres, c'est des problèmes pour lui. Est-ce que tu l'as entendu parler de. Je le défie. Il n'a qu'à venir justifier l'argent qu'il a pris et il a transféré. Qu'est-ce qu'il en a fait? Avec les je l'ai dit à tout moment. Est-ce qu'il est capable de venir justifier devant le peuple guinéen? Ça a été l'un des plus grands détournements. Quand Conte mourait, il y avait. Bien à Palestine, 2004, il y avait 8 tonnes d'or qui étaient là-bas. En Suisse. Et ça l'a empiré ce pays. Et puis nous-mêmes, tu vois ce qu'ils font? Je vais te dire. On envoie de l'or du Mali et de la Haute-Guinée, ainsi de suite. Et Sarima, Banque Centrale de Sarima. Et pareil, parce que quand vous raffiné, et moi, ça, ça y est, tellement de Kelly. Et on braque, ramènerait dans Mangayara, dans la poste stratégique, lui. Il m'a dit que ça va hors Tongo, il m'a fait ma c'est ça, perdre deux fois. C'est une mafia. C'est-à-dire, la première fois, l'État fait, et pour moi, qu'il n'a dit. Une femme alliée, là, et pas vraiment bâti. La Banque Centrale, à Cancan, achète. La Banque Centrale, à la succursale, n'a rien à Kinya, achète. N'a rien à Bokeh, achète. N'a rien à Zérekoré, achète. Tu as compris? Oui. Et par les marraines, et raffiné. Non, non, ça a quand même écrit. Et ta main n'a pas les droits à faire politiquement. On m'a commis, il va suivre, hein. Il va se là. Et moi, n'est pas, et fermement, on braque deux fois. Dans leur mafia. Un. Est-ce que tu as pas mouru? Non, est-ce que tu as pas mouru? Non, vraiment, à faire, à mouru, la mafia. Ah, voilà. Il est quelqu'un, sécurité, il n'y a pas de support. Une femme, il n'y a pas de il n'y a pas de il est fou, là. Il n'y a pas de moi, comme il rompait rapidement là-bas. Banque, il a comme ramené celui-là. Il n'y a que ma banne et puis, n'est-ce pas? Il n'y a rien dans Walima. Chaque fois, il y a certains officiers qui sont dans ça aussi. Et si quelqu'un est braqué, il n'y a pas de pays, il est dévalidé. Il n'y a rien de guéli, tant qu'un. Ou bien ailleurs, et si les mains s'organisent, il n'y a pas d'évasion organisée. Il n'y a pas de la mafia qui est en là, pourquoi ce pays ne peut pas marcher? Rien ça va faire ma vie. À ce que Sigrid, c'est pourquoi les gens de Sigrid sont pauvres. Parce que les gens qui sont braqués, ils sont comme les mouillés. Ils ne peuvent pas être portés en mouillé. Ils ne peuvent pas être mouillés. Ils ne peuvent pas être coupés de route. Coupés de route, c'est eux. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est eux les coupés de route. D'abord, là, ça c'est un coupeur de route. Non, à la non, non, j'ai bien. Lui, là. Attendez-moi, il a ce réseau, là. Et il connaît beaucoup de choses qui se passent. Pas les marres, maman. Même rien ne répond à la vie. Les marres disent directement. Il est qui, là, mouette, vraiment. Il n'a pas sa mouette. Alors, sa mouette, qui après, attend pour la protéger. C'est pourquoi il y a l'impunité est garantie. On a rassuré que l'on la Guinée, il n'y a pas de chien, là. Tu m'as rappelé que j'ai mis ce qui n'a pas achivé jusqu'à plus de 20 ans, 40 ans. Bon, alors, Waraba. Et Moussa Rabama, souci là, Maniki, à nos foulées, à nos forestiers, il ira du Tongo, il ira bord Mati, la grève à la Corona, il ira de la Scafouta. Il couvre le Tongo, à suivre, il a Tongo effaré par sa Yéman défara. Le Tongo est la grille qui ira. Il a sauvé. Je ne sais pas si je suis là. Il est en train d'ambassade, il est en train d'ambassade. Il m'a cobra son nid. Chaque rapatriement, c'est en Allemagne par exemple, c'est 300 euros. Je ne sais pas si je suis là. 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 Non. Bon, voilà, non, je ne sais pas si je suis là. C'est une mafia. Il m'a tout dit, je suis là. Tunisie, ou bien Maroc. Et bon, bon, je suis là. Anti-étonne d'état Tara Sobé. Tu as comme don, c'est un de rien à savoir. Excusez-moi, hein. Ah, oh. Ça soit pour une dépuis. Faut qu'il fasse une abonne à la Sobé. Parce que rien à son goût. Ma frère, parce qu'il n'est pas mieux que nous. Alors, on n'a pas le pipé. On n'a rien depuis. À ma garou. Hein? Il me rit ma benne. À Pénard, il n'a plus de bamba. Personne ne peut. Mais là, je n'ai rien de qui. Dans le solo. Quand solo nous a kilomètre 36, les gendarmes de Babori, rabangu de la belle-mère,
C'est lui qu'on a préparé comme ça, en Moussénara. Aïma. Ah, c'est quoi? C'est l'origine de Cancan. Mais c'est faux! On a. Mais il a celle de Tongo, mon frère. Il a le mal Tongo parce qu'il a le mal, mais Moussénara. Voilà. On va s'appeler à Mankana. On va vous dire là, il n'est même pas de Cancan. Parce que les Sidibés sont des voir sur nous. La réalité, tout ça. Vous connaissez même pas la sociologie, l'anthropologie de la Guinée que vous parlez. Mais du coup, qui n'a plus la Guinée, le ministre là. Hein, la Guinée m'a été sur. La Guinée a été déstabilisée. La Colombie, qui n'a pas les bêtes. N'a rien à faire, la Guinée, c'est quoi. Alors, l'élection a organisé, mais il n'a pas organisé des élections. C'est lui qui nous a mis dans tout ça là, où c'est le coup d'État. Et tout son problème, il a financé la junte pour ne pas toucher les rabats. C'est pourquoi quand on a rappelé des scacans, quand on a des scacans, il y a des scacans, il y a des scacans, il y a des scacans. Voilà. Non, il y a des Non, mais il a tout dit, il a dit, il a dit, il a dit, mais en fait, Borny a dit, il a fait des points avec cette tournée parce qu'on voulait qu'on rapatrie les Guinées. Attends, les Guinées qui rapatrient, mais quelqu'un met des papiers, comme Borny. Et puis, voilà. Et ce qu'on ne vous a pas dit, c'est Dara qui était patron de Clinton d'exécution en 1971. Hein? Voilà. Il est victime en même temps vous. C'est la victime même. Et puis Baïdigué aussi. Il paraît-il le. Mais Baïdigué là-bas, mais attends, il va voir Tassim et Nanatinde. Il a commencé la Guinée. Il va pas m'en aller la. Et la prochaine victime, ça serait Capricci. Après Capricci, c'est Kabakité. Et bim, bam, il est venu. Le dictateur, c'est comme ça. Mais ça va aller tout à l'heure. Dis-donc, c'est pas la suite. Voilà. Et final, ils vont t'enrichir après avoir des commissions pour mourir. Moi, faut continuer, quoi. Et éliminer. Kanamara, il a listonné. Comment ils ont fait leur procès, la Katimini, le procès des narcotrafiquants en Guinée. Tous ceux qui ont plaidé ce dossier, les narcotrafiquants, les rapprochés là-bas, avocats et amamoussés, ainsi de suite. Mais ils sont protégés par qui? Par le système qui est là. Et ils sont venus encore narguer les Kébrou, ils sont venus narguer les Dalis. Ah, les journalistes n'y ratent pas là depuis. On met pression sur ton patron. On fait encore ce maïra. Le blanchiment est en Guinée sur tous les plans. Alors, il y a un la bande d'Abbé, on a un bon photo, oui. On a un Nabayagi. C'est vraiment. Maintenant, si vous voulez l'entendre, on a un patron là-dessus. Parce que moi, ma patron, mon chinois. Je travaille avec un Américain, mais je travaille avec un Français, je travaille avec un Anglais, je travaille avec un Hollandais, un Européen, un Canadien, mais moi je ne travaille pas. Un Chinois, non, ben il est de mal longtemps. Mais attendez. Mais et Matou, combien de fois ici? Priya, à l'époque, il a ouvert mon automne à mon abandon, il fallait du cuit. Non, on a fait mon abbé. Amena. Mais c'est tout. Boké et Bofa, c'est la misère totale. Nos parents sont réduits comme des esclaves. Maintenant, entre les Chinois et les entreprises, il y a des entreprises et intermédiaires. Rébin Wallim, ministère de inspection ou bien quoi, il y a des entreprises de créer quoi. Maintenant, pendant les Obama, la société de prestation. Mais Massamoussa, les Massamoussa, il n'en a pas pris. Il y a un centenaire qui m'a connu aussi maintenant là. Où il est? Mais bien là, Ahmed Kantera. Bon. Moi, je ne veux pas parler de lui parce que j'ai été à un moment, je l'ai conseillé, quoi. Bon, je m'impose ce truc-là, je ne veux pas parler de lui. Voilà. Parce que, et pour le respect, hein, de ma. Parce que en France ici même, il m'a consulté. Bon. Et à travers sa femme, pour les donner des consultations, je ne veux pas parler de ça. Voilà, je me réserve. Quelqu'un d'autre peut en parler, mais moi, je ne peux pas parler. Voilà. Maintenant, sinon, voilà. Sinon, c'est un chef d'entreprise, mais il n'a qu'à se débrouiller là-bas. Il était ancien ministre. Voilà. Dossier ancien ministre, oui, je peux en parler, mais après, parce que, bon, il faisait partie du gouvernement de Kouyaté. Bon, avec Alpha aussi, il a travaillé, ce n'est pas nous. Bon, il y a des dossiers ici, hein,
que moi je connais. Et puis ça, c'est le rapport hein, qui a été rédigé par les Anglais. On peut aller au moment du Mali. Voilà. Voilà. Alors, tu dois rentrer à la maison. Et puis, merci beaucoup. Pour fermer, parce que ici c'est l'heure. Et tu vas vouloir m'excuser. Non, question parce que mon ami là tout, nous parce que y ira y chose là mener décision arrêtée par Macron, et nous on a en fait des partis politiques ben de refuser et n'a accepté parce que foutaise là, mais là il y a d'abord fait il est illégal, ah ouais monaki, d'abord s'il y avait des institutions solides en Guinée, oui. On aurait pu quand même attaquer et se arrêter devant la chambre d'initiative de la Cour suprême. Mais à mon nom, Marabadou, parce qu'il y a pour le rôle qui n'a rien à faire. Après, il y a bien ça en bas, et puis on a même de tomber ça en haut là. Ce qui fait là-bas, qui a été ami, c'est comme de promotion. Ramiri, quand il n'a même la Cour suprême. Voilà. Il a remis tout le cours sur mon établi, quoi, t'es rentré là. Il a qu'à récupérer l'administration parce qu'il n'a pas besoin de militants, il a besoin de l'administration pour lui donner le pouvoir. C'est ce qu'il est en train de faire. Ou bien donner le pouvoir à Mamadi. Ou bien, échouant vers la fin, on est dialogué, Massano, voilà, bon, Mamadi ne sera pas candidat. Mais, alors, il accepte ça. Maintenant, il laisse le système tel, et maintenant, il laisse le système tel à faire un vrai droit, quoi. Il dit, maintenant, c'est là. Voilà, comprends. Pour pas accepter ça aussi. Comme le cas, fait que j'ai passé au Sénégal, la dernière minute, moi qui dis, bon, je suis plus candidat. Maintenant, comme tout le monde s'est focalisé sur sa candidature, il a dit, je suis plus candidat, et on n'a pas pu préparer quelqu'un d'autre, et le système était là déjà, après on donne le pouvoir. Mais comme eux, au moins, ils sont vigilants, ils ont de l'expérience en matière de démocratie. Là, on t'envoie, si c'est dans une sorte de territoire là, hein, tu vas organiser des élections. Du début jusqu'à la fin, la ville, c'est les militants. Hein? De Kouyaté, il y a un monsieur qui l'a pris aux États-Unis là-bas, c'est là. Voilà, il a pris ça aux États-Unis, il vous a envoyé, il n'a jamais travaillé dans l'administration guinéenne. Maintenant, aujourd'hui, il est chef de cabinet, bien quoi. Bon, vous avez vu, il a trouvé aussi, avec tout ce que je dois comme respect à elle et à son mari. Mais elle était avec Alpha, avec les fichiers corrompus. Maintenant, c'est elle qui est là-bas maintenant. Et c'est-à-dire, les gens n'ont pas pour des. Ma colonie n'a plus d'arrêt, quoi. Voilà. Ah! Aïe, oui, là. Oui, il faut boycotter tous les chefs de quartier, tous les chefs de quartier, toutes les délégations spéciales. Et refusez même de payer les impôts. Mettez des sanctions. C'est-à-dire, boycotter tout. Refusez de payer les impôts jusqu'à ce qu'on ait un gouvernement normal. Un régime normal. C'est tout. Pour tout boycotter. Et le combat là, c'est pas la France ni l'autre qui vont bénir pour nous. Dès que les Français vont commencer tout à l'heure, ils vont dire non, nous sommes un pays indépendant. Mais quand il est question de commander de l'argent, ils ne diront jamais que c'est un pays indépendant. Voilà. Il n'est pas pour son pays là. Là, ils ne parlent pas d'indépendance. Hein. Voilà. Ils ont besoin de l'aide. Comme la France nous a donné 1 million. Mais dès qu'ils vont, les gens vont commencer parce que les Chinois, ils donnent d'argent sans aucune conditionnalité. Voilà. Parce que là-bas, c'est la corruption. Ils ne veulent pas la corruption pour leur territoire. Mais ils veulent la corruption. Ils sont en train de prendre pour tous les dirigeants. Parce que le vrai impérialisme maintenant, aujourd'hui, c'est la Chine. Hein. Elle ne tient pas compte de l'environnement ni rien. C'est le pillage systématique. Voilà. Et dès que aussi, tu vas couper la Chine de la Guinée tout à l'heure, l'économie chinoise va s'effondrer. Parce que toutes les industries, et là, au moins, c'est des moulins qui ne nuit et jour. Et les gens sont très, très mal payés. Voilà. La Guinée les ouvriers même. Les ouvriers n'ont même pas, je te dis, ils n'ont même pas 500 euros. Parce que 500 euros, ça fait 5 millions. Il n'y a pas de Guinée. Pas de logement de qualité, c'est des cabanes. Mais attendez, il faut au moins. Et puis, leur sécurité est assurée par les gendarmes ou bien les militaires.
Voilà, et c'est ce qu'on appelle la démocratie en Guinée. Et merci. Et je vous laisse quitter l'antenne et merci. Merci, merci, M. Bangoura. Alors, il y a une créée Guinée, Ramadi Merfouri, on va la mettre à basse Bangoura. Mais c'est Kaba, il y a un peu de mal à l'étafin Kama. Il y a un peu de mal à l'étafin, mon frère, la Guinée est le Fainéki. On a guéri dans l'anna, c'est d'éviter la guerre civile en Guinée. On a après l'on a minute Ousmane même d'un route. Mais on a fait la cure de Bangoura ben, Bangoura mais à Mangasson. Il dégage en cause fait la Guinée ma, Hamir attrapé c'est fait ma dunia là la fuma. T'en as fait la ribe. Tu seras réduit dans ce pays. Plus que le mot même. Kirdi Bangoura. Ngarani Bafé Ibenaki. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails aujourd'hui, mais il te gagne en cause de Khamoui Sou. C'est ce qu'il fallait donner dans l'Ara. Et t'as un bas Scott Kanari. Et on s'en va en Roma. Et Mrio n'a pas de faire le temps. Et c'est ce qu'il fait ma maman. Et mon temps, il fallait faire. Maintenant, on dit fallait bien. Mais c'est quoi ni protéger. C'est quoi Ali non de protéger nous. C'est pas avec des genres de personnes. Avec tout le temps que tu as la barre la Guinée, au sein de l'armée guinéenne. Comment il t'a qu'il dit non protéger moi. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Il faut voir l'état de ton pays aujourd'hui. Quotidiennement à Mato. C'est quoi? Parce que toi, tu reçois de l'argent, tu manges bien, tu dors bien. Mais regarde aujourd'hui la Guinée. Tel fait qu'on a créé ma hâte intérieur et là. La vie des Guinéens quotidiennement à Mato. Quel pouvoir? Ethnocentrisme, ça te donne quoi? Ça fait 360 ans et quelques à Mato. Ça te dit rien? Il fallait créer un truc pour aider ce pays. Il y a 200 dollars sur ma mairie. Il est un millionnaire. Il y a maintenant sens. Qui dit? Ce Sénat, il fallait que ce Sénat soit. Avec le respect de tes enfants, mon affalama ibe. Mais Rourou mana allo sembe, itan, inana ba moura. Mon femme est barki fal de betomara. C'est ce manga ou ibenek. Oui. Itana lance à la compte à pouvoir de l'ungunakana parce qu'il y a l'anganama de détruire la basse minée et les basses côtiers. Il fait un nabat, madame Sogipara, Sogipa, n'a pas de détails sur mes yeux. Guinée Narago, est-ce qu'elle mérite d'être en exil? Il bambangui, qu'on a crié, un nulard comme ça là. Il y a un nabat qui faut manœuvrer les ambitieux. Je l'ai ici. Kiri Bangoura, tout le matin, et mon tabago, Kassourna Mombe. Et avec lui, je mesure mes mots. Mais toi là, à la rimali, on a un arbre là, il faut te tailler. Non, ouais, mais il faut que tu aies un arbre là. Il y a un pouvoir qui est un canard la Guinée. Il m'a fait, ce se dit, il faut que tu aies un arbre. Il y a un langue là. Quand il y a un langue là, il y a un arbre là. Il y a un arbre là, il y a un arbre là. On a cette arbre là. Ce sera dans la barre. Il y a un enfant qui est là. Et il y a un sourire ici, de Boké, Bofa, Fria, et Ramato, Kindia, Forcaria, c'est là. Il y a un ravi. Il y a un
ira bande fari mo don itam non frère non ina ri jama kala jima yo na ga de ko na ga a tikin nan ababa ta gi ya na baba na fara ana ga bore da baba na kai bangura nan da ana ga bokin nan momo bangura amomo a ira infiltré. Il a infiltré les réputations des victimes de Kabouarou. Il était en Guinée, travaillé avec le groupe d'avocats là qui ont participé. Le soi-disant arrêté. Voilà, il était avec ces gens-là. Il en a parlé à Alantana Conti, recevait de l'argent. Le UNESCO a tout le monde sauvé cette déira. Il voulait sa roue. Il voulait bailler rapide. C'est des mythos. Là, fallait bien. Mais il y a là, nous voulons dans qui ? C'est des communistes. Et nous, non, ils n'ont aucune compétence. Il fallait avoir compétence. Il ne peut pas animer un débat scientifique. Il dit qu'il est sociologue politique. Kabi Atso, même si on a compté le gouvernement, il y a un gouvernement. Je vais te dire. Il disait aux gens, et Nathan Samenia, que je suis son cousin, bon, et nous, on m'a corrompu, et puis je ne vais pas fermer ma gueule. Et puis c'est ceci, cela. Et que personne ne peut me maîtriser. Parce que c'est lui qui rédige les élections, les résultats, avant même que ça soit proclamé. C'est pourquoi ils ont même oublié un candidat en 2010. C'était Jamal Kélianou. Mon frère, le faux n'est jamais parfait. On m'a demandé pourquoi j'ai démissionné. J'ai dit, mais et regardez le résultat. Ils n'ont pas acheté le nom de Jamal Kélianou. Résultat officiel, un candidat ne faisait pas partie. Ah, c'est un pays, ça. Ah, ok. Mais je dois arrêter. Non, mais. Et élection, non. Pas. Élection. Le procès verbal. Bila Colomb, résultat et Cour suprême. Cour constitutionnelle, chez le Rwanda, elle aurait date dans ça, maman. Mais il y avait. C'était rédigé avant que ça soit proclamé. Ça veut dire que c'est pas. Mato, quand vous m'avez Bangoura, lisez. Attends, Aramba. Amouna Machi Fiat Karandeka. Oui. 200, 300, 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 300
Oui. Ah voilà, tu as des preuves. Parce que tu as voulu faire là. On n'a pas on m'a prouvé. Ah, mon bras, moi, je ne vais pas. Ah. Après, on a préféré ouvrir là. Ah, vous voilà. D'abord, il va faire ça, mais après, il va faire quelque chose comme ça. Non, il a doublé. Vraiment, non, ma non, 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 il a doublé. Parce que, il n'a pas. Voilà. A guerre, il n'a qu'à défendre l'Andé. Il a doublé à Rafa. Il a contacté l'air, il a pour être le consultant principal d'Amara. Il n'a pas la faute de attends, il n'a pas la faute. Attends, il vient de. Voilà. Mais ça donne rien, mais nous voulons faire là. Alors il a fait son stage à l'Élysée. Et alors et alors avec Jacques Attali. Jacques Attali était secrétaire général. Jacques Attali n'a jamais été secrétaire général à l'Élysée. Il a été conseiller de François Mitterrand. Mon œil. Il n'a jamais été là-bas. Il n'a pas 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 été là-bas. Non, il est fort. Non, il n'est pas faux. Après Werner. Parce que, non, parce qu'il il est tombé sur les chefs malhonnêtes. Rien la vérité. Non, sinon, lui, il ne peut même pas faire deux jours en Guinée. Merci. Je vais te laisser. Merci, mon frère. Continue. Merci. On va la Guinée, Kabri Mahani. Les chefs de quartier. On a tout ici. C'est des faux types. Les délégations spéciales. Ouais, Kerry, Bill, où le fallait l'angoué. C'est des zéros. On a ce fameux. Des nulas, découpage. Pour où aller où? Où? Attends qu'il dit Bamboura, on a découpage. Pour donner légitimer l'ancien acquaté à être président de Guinée. Ah non. Oui. Et vous ramassez la Guinée. Autant. Et vous ramassez la Guinée. Vous faites un amour de y compris les membres du CNT. Moi, je suis un enfant de fin. D'ailleurs, je suis un enfant de fin. Bravo, bravo. Bravo. Pora. Nous mettons Bangura. Bravo, on wali. On continue sur vous. On continue sur ce bébé. On a un peu de temps pour moi. Parce qu'on a colonisation dans le pays. On a des couleurs noires, des couleurs illettrées. Des couleurs noires illettrées. Nous, là, on colonise pays. Dara. Mais c'est sans pitié. Mais, on m'a dévancé, on m'a fourri, et j'ai mis un morceau, on m'a dit, on a l'asca là-bas, on a pris un morceau. On m'a fourri, alors, on m'a rassoumé, Karim Bangura, Karim Fofana, on m'a fourri Bangura, et à nous, on a dit Todon, et puis, on a là-bas, on a parce que Krakeli, c'est ça. Parce que colonisation là. Oui. Nous sommes dans une colonisation en double. Oui. On a là un peu dit. Comment il y a un homme à une fille, une fille dans votre mérite. Elle vous aurait détruit. Hein? Hein? Et parti politique, il a fait mal. Est-ce qu'ils sont légitimes, eux? Ils sont légitimes? Non. En fait, il a bien déclaré, il a pas plus loin, il a déclaré, mais il a plus de fonction là-bas. Il a banné. Et moi, là-bas, il fallait, il l'envoyait en règle. Des faux types comme ça, des brigands, des bandits, des voyous comme ça. Il a dit. Il a un exemple, nous finissons, il a bien fini. Hein? Pourquoi il fallait être boulé là? Pourquoi il est boulé là? Des voyous réunis comme ça, des bandits. On était le bandit, non? Et nous montions d'elle. L'Irondelle ne fait pas le printemps. L'Irondelle ne fait pas le printemps, hein? Allons maintenant pour l'OE, à Pongrara, avion de Yagoubréama. On donne habit, on a continué son nom, on me dit. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est une grande contribution. On a dit là. Rien à boire, rien à payer, rien à mettre, rien à rebondir au magie de son. On a le bas fixé, notre façon de le faire. Hein? Et non, monsieur le maman, et par qui on est c'est maintenant, mais après, m'a dit, comment il s'appelle? Maintenant, Bangura, il a écrit la promotion, le bas fixé, le dimanche, à quoi là? Mais ils sont utilisés, puis ils ont envoyé les militaires
une station de quoi il est dit. Voilà. Na la masse est bébé sur la société, ben. Oh, 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 il a pour lui, il fera rien en dehors. Donc, ça pas insulté Malik. C'est toi, il était Goundi, il a tout le monde dans le moi, j'ai une vie déjà. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça n'a rien à voir avec la politique. Hein? Ah, et que tu l'as commencé au sac titulaire ou à la maison des jeunes de Boya, à ma vie même. Allez, ma vie même, amène la soie, j'ai dit, et paye la pile la vie. Tu l'as tout dit. Je ne sais pas, quand il y a des gens qui sont obligés, il y a des gens qui sont obligés. Qui dit que vous avez fait la tanara? Mais que vous avez fait la tanara? Vous n'avez pas de bain de la roi. Calme-moi. On fait que vous avez fait la politique. On peut régler ma yiborita, ma passe-côte. Sera libéré par les passe-côtiers et géré par les passe-côtiers. On fait que vous avez honnêteté à ma roi. Hein? Qu'est-ce que vous avez fait ça? On a tout. Pourquoi c'est un peu depuis qu'on avait dit plus 5-4 la bauxite Ngoumba. La bauxite aujourd'hui, c'est un minéraire critique et stratégique. À quel c'est le niveau de bauxite? Minéraire critique et stratégique. Mais est-ce que tu l'as dit encore? Tu l'as dit, la gagne. Hein? Il faut prendre les pays comme le Cap-Vert. Cap-Vert, minéraire, moi qui ai pris le rôle à Cap-Vert. Mais le rôle, il a avancé, puis le rôle, hein? Après l'esprit, il me comprend pas Cap-Vert. On a les colonnes noires. Qui, chez nous. Des colonnes noires, il est très. Des colonnes noires, il est très. Géré par Lazare. Couché ce colon. Oui. Les colons blancs ont posé des bases à Guinée. Ils avaient tout mis en place. On le mettre à la Canada. Tout était mis en place pour que la Guinée soit la locomotive de l'Afrique francophone. Tout était en place. Et l'homme dit qu'il y a un peu de temps, on a gagné les boulons. Où on va? Hein? Il n'a pas fallu, il n'a pas du tout. Il a la Suisse, marqué premier de la Suisse, il a. Ou bien Luxembourg. Ah, vous n'êtes là. C'est l'État qui crée les conditions pour les citoyens. Et ces citoyens créent des richesses. Des richesses qui apportent le développement au pays. Hein? Où t'en as réalité, Dara? Expertise en Aouira, dans la pêche. Si les conditions sont réunies en Guinée, où t'en as débarqué la Guinée, là? Mais la pêche guinéenne va connaître une autre dimension. Et puis, il y a une dame, il y a la Guinée Katoum, la Guinée Imayoroun, oui. La Guinée Kamou, il y a deux motos. Dans le salarié. Conque, Kébela Kéré, ou bien il y a 12 ans, 600 000 francs guinéens. Oui, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un péché, où se trouve l'actuel ministre de la pêche? Des incompétents comme ça sont flagués là. C'est colon, c'est des copains, des coquins. Et Nara, Edoro. Edoro Nara. Ils font de n'importe quoi. Hein? Hein? Expertise en la maître, là, maître Bangoura. Parce que alors tu dis au NDB. Hein? Il connaît, il maîtrise la rhétorique. Il maîtrise. Il doit tout faire ici. Moi, ma forme, dit. Parce que, attends, ma bêtise. Le poisson guinéen est vendu aujourd'hui partout en Afrique, ouais. Sauf la Guinée. Pourquoi? Sauf en Guinée. Poisson frais, Yerabunda. Poisson frais à Pia Soubibé. Allez, commandez, attendez, commandez. Yerabunda, commandez Soubibé. Hein? Frère, Asie, Yerabunda. Hein? Je sais de quoi, ouais. Je parle. Et à Colo, il est à Colo, il est à Colo. Et à Colo, il est à Colo. Ça tourne autour du quoi? Il y a des grands dans des acolo. Hein? Où est-ce que tu as la responsabilité là où il y a pays? Est-ce qu'il y a un archimone là où il y a pas? C'est des choses comme ça. Hein? Où est la mairie là, bandé là, où est-ce qu'il y a qui là? Il bourrit, fit, il fanta, il bourrit, fito. Et pas bon, j'ai payé de l'eau la crème. Hein? On a une bonne diaspora aussi. On a fait la fin de la Bangoura. Hein? Il est belle diaspora. Il a agressé plus dans beaucoup de domaines. Il a critiqué, c'est n'a pas gagné le nom. Hein? Il peut apporter ses conseils. Maman Doumbouya a été là. Maman Doumbouya a mettre Bangoura en aïe. Belaraï Tounou. Bangoura a béré Tounou. C'est des choses comme ça. C'est des gens comme ça. Quand des pays comme ça, les rajas pour aller à pays porté. Et pas le chien dans le pays porté. Il y a plein de pays comme ça en Afrique. Hein? La Guinée, il a fallu faire chômer les 10 là. Mais comme la CCB, il se poursuit là.
Non, non, oui, c'est qu'est-ce qu'on a fait pour l'escamar? L'escamar, c'est de mauvaise qualité. C'est de paresseux, des chômeurs qui y vont. La fête là, faut qu'on va te dire, la Guinée est marrant qui vit. Parce qu'on a fait face dans la mer. Bon, la femme est dans le tout est réuni. Tout est réuni. Maintenant, il faut que tu aies maintenant ma saison, toi, avril 84, à moi, là-bas, mané. S'il faut même, juillet 85, à moi, là-bas, mané. Parce que tout est là. Mais c'est un peu de monsieur, je vais te faire précéder. À moi, bien là tout. Mais faut des salles. À quoi de mal là tout. Voilà. Voilà. C'est ça. Donc, on en a là. La vie, la conscience, ton goût. Et les blancs se mourir là. Ou on va nous y mettre mal au combat. Pour ne pas que ça soit trop tard. Ah, pis mal, maman. On t'en basse côte. On caca. On a pitié pas là. On va envoyer la scène. C'est tout. On va envoyer la scène. Les infectés comme ça, le cul dit comme ça, des zigotos comme ça, ni on est écrasé. On les écrase, on passe. Donc, là, à mettre par la GOND, vous êtes là, vous m'avez compris. Il a tout dit, il a résumé. Il a tout dit. On a colonisation dans le pays. Colonisation aveugle. Surtout nous, en passe-côte. On a colonisation dans le pays. Hein? Moi, l'information de la mer, tout. Par rapport à mon mort, c'est là. Mon mort, c'est là, il y a un coup. Avec, comment dire, les attaques rebelles des années 2000, là. Il y a un coup, Amérique, 600 millions de dollars, là, ça l'a mis à disposition. 600 millions de dollars. Laisse-le compte, là, tu vas le dégager. Laisse-le compte, 600 millions de dollars, une nouvelle année. C'était 600 millions de dollars. Laisse-le compte, là, tu vas le dégager. Alors, comment dire, ton monde, avant, en Amérique, Américain, il a commis le confisqué. Elle dit la Suisse, elle a dit tout. Amélie était là, comme il connaît, comme il passait. Et moi, pas confisqué. Il a perdu, vraiment, réellement. Avant, réellement. Parce qu'Amélie était là, comme il passait, comme il passait. On a fait la mer. Mon mot, c'est là. 600 millions de dollars. On a ouvert la mer. Pour combattre la rébellion. Amélie était dans ça, au moins 10%. Grâce à la salle de mon mot, c'est là, comme il passait. On a fait la mer. Ousmane. Dara, moi non golfe, moi non golfe, oui, oui Dara. Mama Tiba, fode, na kolo dossier brina, fode yira. Na ile ouben la semaine passée, na mamadi sila. Sende nara la Guinée, na fala magi. Diabète nara, baskot bet, diabète. Cancer nara umbe, cancer nara umbe. Ona ne mamadi, il a son frère aussi, parce que lui, akilim fala fin. Par ma Kaladaska Naseba, des fautes produits. Mais pour ramener là. Vous êtes pour ramener là. Et t'as vraiment moutanga, Ousmane, moi, je suis un peu madala. Je vais. Fode Bangura, Fode Abbas Bangura, merci. Nare, il y a tellement de choses à faire sur cette mangue, Rurame, Wonwali, Alara Braifouma, et partager surtout. Nare, enfin, de Bascotte, Dibrina, Rory. Puis, combinati, ma combina dans. Ami Fama, Ami Niama Kek. Mais, bête, n'a fallu, il y a un gars qui est un gars qui est Baba Kombira, Sibrina, Abarioma, 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 Dakima, Abarioma, Bosefama. Parce que ma fala ma tanga dibe, a ma fala huya be, a ma fala bon sen de be, a ganara ba, a bari yoma, a bari yoma, bon sema, et quel de matou. Quel de matou. Gere na ansofe, soma na sodi. Parce que combat,
Seigneur Rinara, et pour protéger ma communauté et ma nation. Terminé. On a compris un sens, tu viens avec moi. Rima comprend un sens, you can go. I don't need you. Fuck you. Terminé. Non, 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 dira. Alors, un faux type, Ayan Gildi. Ayan Gildi, je ne sais pas où j'ai mis le truc là. Ayan Gildi, qui? Des genres de personnes, moi, ma inan prophète, ce se fait qui? Colonel Issagab, Souma. Kateri yete kea mato ina yete masengi na gai même dans ta propre famille i yete masengi na gai kateri abana les autres évoluent sur nous à cause de vos imbécilités. Un simple passeport il fait crime. Je suis colonel, fucking colonel ita on est affiné colonel andeka na ina mukelima. De vous rire comme ça là, ah je suis colonel, un faux policier qui ne connaît même pas les inspecteurs, qui inspecte quoi? Des faux programmes, le banditisme, les mensonges, la crime, c'est-à-dire du crime, je ne sais pas, fala makine, fuck you! Et tant. Puis il me fait un passeport là, on rit barki, fala ma ben. Et puis moi, il faut grade qui s'y roule là. Oui, non, non, fa fait kambouma. Mouira grade Bema, mouira n'garire, quel redénerait. Regarde-moi ça. Faut qu'on arrête un peu, hein. De réduire cette communauté. Ou m'ga communauté Luna ou bien Sosemira. Faut arrêter, hein. On te confie un problème familial, hein. Il problème est créé, pourquoi? Il bec bien en Nawayama, on m'oufra. On m'oufra tout, ma. Après, on fanfara. Yata tanya la pfuri la be. Ina yato. En primeri Patrice Lumumba. On avait une usine textile. 42 millions d'écus à l'époque. Le président a fermé, il a pris la clé, il l'a mis dans sa poche. Nous avions le train qui faisait Conakry-Kankan. On avait deux bateaux. On avait 9 avions. Où se trouvaient les 9 avions là? C'était pas à Conakry, hein? Mireille Makoulon Rifarama, avec son âge, avec tout le temps qu'elle a eu en Guinée, la chance, ce nom, elle oublie que Sékou n'avait rien. Grâce au Soussou, on a dénigré Manaki, que Sékou Touré, qu'on parle de Sékou Touré aujourd'hui. Grâce au Soussou, à nous, la basse côte. Qu'est-ce qu'il avait? Amara Kharanira, Amara Sera. Si les Amara, Souma et autres là n'étaient pas des hommes valeureux, c'est Otoren Loumadi. Est-ce qu'il est malinqué même? Il est de Farana? À quel homme? Des genres de femmes guinéennes qui sont censées à construire une nation parlent comme ça. Mon ami Maïra Fira, à Al-Giyama, il y a un tessard la Guinée. C'est autour de la Guinée Kamara, Farana Kamara. Et puis, colonel Narayon Mananama, colonel Hamidou Kaba, à l'intendance, qui a une sœur qui m'insulte ici. Oui, partagez, parce que la manga fola tanama. Ta sœur, Phil Condé, qui m'insulte ici. Parce que dès que tu commences à attaquer les officiers ou de quoi de Farana, elle est remontée.
Très bien. Mais, je combat ma couille à Guinée, parce que je suis Guinée, 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 je sais de quoi je parle. Je vais respecter la femme, Hamfara. Mais, colonel Hamidou Kaba, et tout le matin, n'en a pas fait. Il a des gars barbo à l'intendance. Il de connerie, Mirindema. Abaran Libé, mon femme à Oumaha à Latin. So c'est dans ma adunia, c'est-à-dire Dougui, Guinée, Arad Dougui, à Tarima, Mouragnoma, Sama, Kerema, Rikerema, Anagri, Nan Bohama, Bahama Findi, Nan Bohama, Vende, Rime, Kuala, Mande, Rima, Bah Pantalon Fibar Mine, mais Dougui Maragnoma, Gessagara, Rima, et tout le matin, parce que tu es là-bas pour Idi Amin. Fala nambi tantana rago. Oui. Fala nado. Bitantana ra. Bitangina manana. Mais, ka homo ga méchanceté, ga égoïsme, ga nyaoui, ga crime rati, yi borima a ou rattrapé mané. Hamidou Kaba, le colonel Hamidou Kaba de l'intendance. Et ma Guinée, Ramine, mon programme est qui? Dans ma menine, mais tu as fait la troisième fois sur ma main back qui? Et je sais, il y a un dossier dans l'Annabé à l'intendance Hamidou Kaba, colonel. Il y a un colonel demain, c'est pour moi me protéger. Il y a un colonel de ma, il y a un cobre qui est fait, free, zéro, il y a un pharma qui est fait. J'ai des colonels là-bas, à l'intendance même, des amis. Je suis allé à l'école. Je suis allé primaire là-bas, lycée tout. Ils sont là-bas avec vous. Mais ils connaissent ma machine. Ils sont exagérés, ils sont dans les là. Mais l'histoire te jugera dans ce pays-là. Croyez-moi, et bientôt, il y a un ami qui fait la fille. Il s'est dit que le farana, il s'est dit farana. Maintenant, on finit ma nouvelle génération, il y a ta guérego, parce que, toi, il y a un ami. Ou il est ma dorna. Parce que, dans les conditions normales, na bunduke ram la mais fin farana gouverneur. Parce qu'ils sont là-bas pour Idi Amin. Non, non, non. Non, non, mais là-bas, ils sont Farana Kéna. Aider la jeunesse de Farana, construire des écoles techniques pour Farana, des hôpitaux de référence pour Farana. Ça n'a pas été le cas. Parce que vous prenez de l'argent à aller investir au Sénégal et partout dans le monde. Amri, Farana Rafa, Ntana Rafa, Itamara. Il t'en déconne ma farana kenama. Il déconne ma lagine kenama. Il déconne ma sauce nama parce que tu es colonel. Tu vis à la merci de Idi Amin. Peut-être à l'époque, mon Idi Amin, colo. Dans la colo. Oui, oui. Je ne sais pas tu es de quelle promotion, si c'est 93, 90. Mais mon frère, qui m'ira bêtise et à l'intendance, tu vas le regretter. Je vous remercie. Quand la femme finit, il sort à la mouna yabima. Ma yabima, ma soulra mayati. Parce que, rami ribiya ni biyamane. Mou blema, mou a inkrim, frim falama mi be. Krenar. Ma falama tonna en falara, l'unta falana mamadi ramanga amra fama. Amra fama. Ma falama tinaman na fama. Non, non, non. Parce que, moula na ramabarnakana. Idi Amin yet
Moula nama abarna kana. Donc, non, moubile manama, talana kolo. La Guinée n'a qu'il 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 Maintenant, on a problème à Miri, les individus, où on a été un groupe donné de profiter sur toute la population guinéenne. Non, ce n'est pas possible. Je suis de Farana, je suis de Kankan, je suis de Labé, je suis de Zerukuri. I don't care, je suis un Guinéen. Je suis d'accord, entièrement d'accord avec vous, M. Kaba, mais à condition qu'on respecte les Guinéens. Puis le simple, on ne peut pas supporter des colons noirs. Moi, je suis tellement à Tsigiri, à Mayana, à où je suis un bénéficiaire. C'est quoi? La basse côte, la même chose. Les mines sont exploitées comme ça. Rien, pas d'intérêt, y compris l'océan Atlantique en Guinée. On ramasse toutes les espèces. Le ministre Bama, ils sont flaqués là-bas. Ils ne font que des business, business. La population meurt. Moi, il fallait Mamadi Ben de résilier les contrats, de revoir les contrats. Oh, ministre, là, minimum. Ah, il y a ma barbouille, il y a un peu de temps. Ministre, non, mais qui? Est-ce qu'il y a un domaine là? Non. Parce que ils sont nommés par affinité. Pas pour servir la nation. Et notre combat, c'est ça. L'homme qu'il faut, la place qu'il faut. Un homme en arrière, de la Cour suprême au dernier, sont tous des corrompus. Des Fernandez, des Fode Bangoura, des Sidi Suleiman, sont tous des corrompus. C'est des personnes à ramasser pour libérer ce pays une bonne fois. Y compris le groupe de comment il s'appelle de CNT là, Arli. Eric Tchab. Birna Meni Sessi. Moura Arli Tiri Tanana. Au niveau de la basse Guinée, cela nous détruit. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne veux pas mon modèle ici portement. À cause de qui que ce soit. La nouvelle génération n'a peur de fait. Mire Runa Kanama. Mire Kidnappema. Et Farama. Pourquoi? Mire Lama, il a vivé d'être paisiblement avec son armée. C'est eux qui sont là aujourd'hui à nous faire du mal. Non, c'est inacceptable. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ou attend. Ah, Nancy, spécial, bah, découpage, fucking découpage, quoi? Ça sert à quoi? Tout ça là, il a la Guinée, il y a chaud, il y a un tripot, ça me rio masque à décolo. Quand c'est fini, ça, le PDG n'en a pas. Non, non, non. Découpage, Mouma, Yama. Dans délégation spéciale, oui, Kerry, Brim Fautipnera, sont là pour faire quoi? Mamadi, élection. Faraba, Imoulouma la Guinée, Imam Mouridor Mamouma. Je vous remercie. On a témoin.